la VOD pour YouTube, évidemment, et on y va. Donc j'ai pas joué depuis mercredi dernier. Le seul moment où je suis venu jouer, c'était genre vendredi pour voir un petit peu les ventes de notre magasin. Sachant que... Ah, y a le traite là-bas. Eh, le traite, je te vois là-bas. Bonsoir, Seigneur Jimmy. Il a un truc à se reprocher. Qu'est-ce que tu veux, le monsieur Jimmy Paul, là. Salut, le chômeur, ça va? Ah, pardon, le cheminot, ça va? Alors. Putain, t'as un masque et tout. Bah, bien sûr, bah, hé, attends. Ah, putain, il y a le petit bonnet, incroyable. Tu vois le petit bonnet ou pas, toi? Est-ce que tu vois le petit bonnet, toi? Ah non, j'ai pas au petit fine, moi. Ah, et bah, moi, j'ai un petit bonnet! Moi, j'ai sodium. Aïe, 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 les gens qui disent sodium. Ouais. Alors, voyons voir les ventes du magasin de la Stonks. Oh là là! Pff. Oh la vache, quelle thune! Let's go! Si, en bas. Moi, faire zéro diamant, c'est mal me connaître. Alors là. Il y a quoi de nouveau maintenant ici, là? Parce que. Un petit moment que je suis pas venu, moi. Il y a le totem là-bas, là. Ah, le totem, oui, le gâteau. Il y a derrière toi. Ouais. Il y a l'arbre géant et il y a Arius qui fait un shop de verre aussi, je crois. Oui, il veut me détruire mon business. Ouais. Pas mal, hein. C'est honteux, hein. Bah, ça va, je prends 10%. Je prends 10%, ça va. C'est accepté. 10%. Bon, écoute, c'est qu'un stagiaire. Hein. D'ailleurs, j'ai que commande que tu t'es peut-être simple, mais t'es stagiaire, hein. C'est pour ça que t'avais pas de salaire. Hein. Faut pas oublier ce détail, hein. Ouais. Ah non, mais on aurait pu en discuter, mais bon, t'as préféré partir, c'est pas grave. Enfin. Je comprends. Bon, je vais laisser ça tourner, hop. Sacré patron. Bon. Le mot Big Black Cobble. Ouais, on verra. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a raté de nouveau Ah, bah attends, c'est nouveau ça. Alors, du coup, oui, il y a Nagato qui a sorti un magasin de totem. Par contre, le jump boost, faut arrêter, hein. Faut arrêter de se fermer avec des jump boosts comme ça. Hein. D'accord, il y a un escalier là-bas. Totem à... Boutique à totem. Ah, sur 20 en build. Ah, écoute, Nagato, tu t'y essayes. Allez, hop. Pour faire tourner le business des collègues. Enfin, des collègues, des nouveaux. Allez, c'est moi qui régale. Alors, bon déjà, je vois un arbre immense là-bas. Qui c'est qui a fait ça, déjà? Putain, mais le serveur a qu'une semaine. Hein. Les gens sont fous. Vous laissez fermer le magasin de miel. Ah non, il est ouvert. Il est ouvert, les gars. Les gars, j'étais pas là depuis mercredi. Moi, j'ai pas suivi le RP. Hein. Ah oui, ça, c'est la boutique de Beacon de Magic. Tout à fait. Le globe, c'est quoi? Ah oui, c'est le truc de Wotan. Tout à fait. C'est en gros, c'est le guide du... le guide... Alors attends, c'est quoi déjà le nom qu'il avait dit? Attendez, faut que je trouve. C'est le guide du... Mince, il l'a mis où? Où est-ce que tu l'as mis, Wotan? Ah, je sais pas où il l'a mis. Le guide du Cubar. Bon bah voilà. Qui du coup sera un magasin avec des... Qui va noter en tout cas les builds et les magasins des gens sur le serveur. Très sympathique, petit concept, hein, j'aime bien. C'est sympathique. Ah, salut Keishi. Bonsoir à tous, bonsoir. Vous n'avez rien raté, je viens de lancer le live. Ça fait 10 minutes qu'on joue, vous inquiétez pas. Rip René. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui construit des trucs comme ça? Enfin, je pense avoir mon idée, mais... Oh, mais attends, mais il y a des trucs là-bas aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? La zone commerciale commence à devenir un peu immense. Ah oui, c'est l'agence immobilière de Boone, oui, en effet. Ah, sympa. Vroom. D'accord. Boone qui, si je dis pas de bêtises, propose ses services pour du build. Va-t'en toi, va faire autre chose. Ça y est, je lance le live, il est vite, ça y est. Elle me saute dessus. C'est Lucide le grand arbre? D'accord. Ok. Putain, bah quel taf. Après, c'est vrai que Lucide, elle est très forte en build, hein. C'est pas nouveau, ça. Hein. Bien qu'il y a du vide, hein.
Va falloir régler ça, Lucidant. Mais c'est très très bon en tout cas. Salut Lulu. Lulu, pardon. On a déjà 5 châteaux. Faudra qu'on aille voir chez lui directement. Mais je pense qu'il a bien bossé, oui. Ah oui, magasin de Copper. Mais attends, mais c'est l'ancien de... Ah mais il y a déjà deux magasins de Copper. Let's go. Ou alors c'est... C'est magasin de Smithies ou pas ça? Je crois pas, non. Ah, il le déménage. Ok, c'est bon. Parce que je me suis dit, attends, s'il y a déjà deux magasins qui vendent du Copper, on va pas réussir. Eh, sympa. Ah oui, c'est Smithies. Ok. Sidiams 20 blocs. Ouais, c'est honnête. Ouais, les prix sont pas mal. Les prix sont bien, ouais. Ah, il est très très classe ce magasin. Ouais, j'aime beaucoup. Avec le... Ouais, j'aime beaucoup le... le truc comme ça en Copper. C'est très québécois ça. Copper. Tu sais, tu le dis, tu t'envoles. Copper. Let's go. Non mais le lore est bon, le lore est ouf. Le lore est ouf. Ils sont forts ces Québécois. Bon, mon magasin est déjà en faillite hein, parce que les gens... En fait c'est cool parce que tu te fais chier à faire un magasin pour cuire et les gens ne cuisent pas. Ah merde. Enfin, les gens font un four chez eux. Du coup bah le principe du serveur est baisé. Ça qui est marrant. J'ai payé du temps au diamant pour oxydation en soi. C'est vrai? Non mais il a raison en vrai. Il a totalement raison. Hop! Donc en fait mon magasin de four sera bientôt en faillite, c'est pour ça qu'on va faire un magasin de Blackstone à côté si je peux. Un petit rack du shop de Nagato? Bah regarde, j'étais tellement comblé que j'en ai acheté deux. Franchement... C'était assez impressionnant. Dès qu'on court, mes shops ouverts. Ah, c'est là qu'ils vend la gunpowder. C'est quoi la gunpowder? Chaque client s'échappe au propos. Ouais, mais c'est quoi les prix? Davlek? Davlek, c'est quoi les prix? Davlek, je ne connais pas les prix. C'est quoi les prix, Davlek? Écrit dans le livre. On propose gratuitement d'accéder gratuitement au trésor qu'elle recèle en échange d'une simple acceptation du contrat dans les barrels 6 jours. Vous savez, déjà de base, je réponds même pas aux appels dont je connais pas le numéro. Tu commences à me casser les couilles, toi. Hop, allez, ouf. Donc à mon avis, je vais pas m'amuser à signer un contrat que je ne connais pas. Voilà. Ah oui, vous avez mis des carottes et ils y sont pas. Je pense qu'il les a récupérées puisque je lui ai fait une remarque. En vrai, je pense que c'est ça. Ça m'étonnerait pas en vrai. Il est juste, non? Oh là là. Mais je suis sûr que vous le connaissez par cœur en plus ce contrat. Tu peux regarder la gaz du magasin four et faire la structure par-dessus ton magasin de Blackstone? Je sais pas. Je sais pas trop. Faut que je vois. Bon. Contrat signé. Certifie par la présence serment d'accepter en échange d'un accès libre à cette échoppe et pour mon usage personnel uniquement de remettre lorsque le moment sera venu de tête au propriétaire. Bah non. Il a même pas fait 666 pages, ça dégoûte. Par la présente, je cède également mon âme et toute ma fortune. Voilà! Allez hop là, au revoir. Voilà, merci. Voilà, voilà. Ne jamais signer un contrat qu'on ne lit pas en entier. C'est leur manel. Non, mais attendez, oh. C'est vrai qu'il fait son truc, l'autre con. Hein. Alors oui, du coup il y a un TP qui a été mis en place pour le Stronghold ce soir qui est juste là.
Mais d'abord, faut que j'aille préparer 2-3 trucs. Quand même avoir un stuff et des affaires prêtes, quoi. Sachant que Bazon nous a préparé des trucs. Sachant que Bazon nous a préparé des choses, en vrai. Donc, il y a moyen que ce soit pas mal. T'as touché le livre, t'achètes. C'est pas un livre, c'était juste un contrat. Hein. C'était juste un contrat, il y avait rien de signé de plus. Hein. Je vois qu'on se fout de ma gueule dans ce... Dans cette société-là. Je vois qu'on se fout de ma gueule. C'est quoi ça? Donc je me suis fait chier à faire un magasin avec des fours pour qu'au final les gens utilisent leurs fours. Bon. Bah la vie est une sale race, finalement. Pas grave. Ah, pas grave, je prends bien. Y'a aucun souci. Alors où est-ce qu'il a mis les trucs, Bazon? Il a préparé des coffres pour le dragon, mais je sais pas où est-ce qu'il les a fait. Oh bah tiens. Ah c'est l'Orello. C'est l'Orello. Où est-ce qu'il a mis sa base, hein? Dans sa base. Patron. Ah bonjour. Bonjour chef, comment allez-vous? Ça va très bien. J'ai vu un truc qui me plaît pas trop dans le QG là à la base. Enfin au spawn. Dites-moi, vous avez quoi? C'est quoi ces fours là? Hein? C'est un préparatif pour ce soir pour la veille. Je suis en train de préparer des kebabs pour mon chef, votre pizza poulet. Et pourquoi ne pas utiliser les fours du magasin? Ok, ouais, je vois, ouais, ok. Je vous laisse. Ok, ouais, allez travailler, ouais. C'est navrant. Il y a du foutage de gueule dans cette stonks. Ça continue comme ça, je vais faire comme Golden, je vais me barrer, moi. Je vais me barrer, moi, je pense, hein. Ouais, on se fout de ma gueule. Nouveau skin? Bah non, j'ai juste un masque. 100 000 nouveaux cas il y a quelques jours. Oula, et pas un ou pas de plus, hein. Pas un de plus sur les cubes, hein. Oula. Ah, ma belle base dégueulasse. Un jour, on fera une belle base. C'est promis. Mais t'es insupportable. Tu sais que t'es insupportable. Ça fait 2 heures que je suis rentré chez moi. Elle m'a pas adressé la parole une seule fois, Elite. Par contre, dès que je lance le stream... Oh, les câlins. Ah, ce chat. En vrai, j'ai de la gunpowder qui est prête. J'en ai un petit peu de côté. Faut que je prépare de la canne à sucre, surtout. Là, c'est vraiment barré. Les gars, faut suivre le lore, what the fuck. Les gens ils suivent pas le lore et après ils s'étonnent, quoi. On va pas faire grand chose avec vous, ouais. On va pas faire grand chose avec vous. Ok. Ça c'est bon, tac. C'est bizarre, j'avais 33 diamants, fut un temps. Ah putain, faut que je demande à Bazon s'il a pas un villageois qui fait des name tags. Que je prépare tous les name tags pour les shulkers. Ça pourrait être pas mal. Bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous les gens qui arrivent. Bonsoir. Attendez, je regarde juste un truc sur le Discord s'il n'y a pas un bail. Ok. Il y a juste Pierre qui a prévenu. C'est le mot que je cherchais. Il était pas facile en vrai. Il était coincé celui-là. Qui a prévenu pour le RP de ce soir, même si c'est un RP à la con. En fait, avec le problème, c'est que le drama de la dernière fois a tellement causé de petits soucis que maintenant, faut qu'on annonce quand on fait du RP, quoi. C'est un peu triste, mais bon. Faut respecter les envies de tout le monde, quoi. La Ryu! Mais la Ryu, c'est à 20h30. On a le temps, quoi. Et monsieur Macron, là, il discute ou pas, là? Qu'est-ce qu'il annonce? Est-ce que je pourrais continuer la salle de sport ou est-ce que je vais me faire foutre? Ah! La consommation dans les cafés et les bars ne pourra plus se faire debout, mais seulement en position assise. Le lore est fou. C'est fou le lore, non? Tu trouves pas?
Gnon, gnon, gnon. De ses envies de manger un cassoulet. Hop là. Merci The... merci The Blade Live. Pour le 12e mois, merci beaucoup. Salut Little. Ça a passé de bonne fête, Monsieur Boy. Ouais, 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 très bien. Très sympa. Aujourd'hui, j'ai fait un petit resto avec la famille. Pour ceux qui connaissent à Toulouse, ma biche sur le toit. Hmm. Qu'est-ce que c'est bon ce resto, bordel. Pardon. Juste aller voir dans les coffres en bas si j'ai pas laissé des trucs. Quoi d'autre? Le recours au télétravail sera obligatoire 3 jours par semaine. Et pour les postes, ceux qui le peuvent, si possible. Ah! S'il y a des gens qui peuvent télétravail dans le chat, le recours au télétravail 3 jours par semaine est conseillé. Donc vous pourrez passer plus de temps sur les lives. Let's go! Merci Monsieur Macron. Merci de renflouer les caisses de la Stonks. Ok, il y a un nouveau. Ma biche sur le toit. Non, ma biche sur le toit, tout simplement. L'école, ça compte. Non. Pas conseillé, mais obligatoire. Oui, obligatoire. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans les cinémas. Et les transports. Donc, toi là, derrière ton écran, qui bouffe un gros McDo dans le métro, tu ne pourras plus faire ça. C'est mort. Impossible. Tu dois attendre d'être chez toi pour bouffer ton domac. Eh ouais, t'es baisé. Mais c'est pas plus mal. J'ai pas beaucoup de bouffe, c'est un peu le problème. J'essaie de réfléchir à ce qu'il me faudrait par rapport à ce que Bazon a préparé déjà. Et pas de décalage pour le entrée scolaire, non. Et du coup, mais et d'un côté également pas de couvre-feu pour le nouvel an, ce qui pourtant a été le truc qui a été dit en numéro 1, quoi. Enfin, que tout le monde pensait que ça allait être ça. Par rapport entre bouffer dans le métro et la propagation du virus. Bah en fait, quand tu manges dans le métro, t'as pas ton masque. En fait, c'est juste ça. C'est pour éviter que les gens dans les endroits clos retirent leur masque pour une raison. Tu vois. Tu vas parler les câbles de télécom en télétravail. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est pas mal. Bravo. Une certaine technique à avoir, donc en vrai, tu peux mettre ça dans ton CV. La biche sur le toit à Toulouse et la vache au plafond à Limoges. C'est vrai. Incroyable. Ma biche sur le toit, c'est incroyable. C'est un resto un peu... Mais c'est pas si cher que ça. Et c'est hyper bon. Ah! Ah donc, alors. Ah donc, je suis blanc actuellement. Ok. Super. Mais, pardon? Ça, par contre, c'est oui. Oh, il est quand même généreux. Hein. Par contre, il a pas mis de canne à sucre de côté, donc ça me fait un peu chier. Donc, je vais peut-être lui envoyer un MP pour lui dire que c'est un sale con. Mais je vais le remercier quand même. Comme ça, les glass bottles pour ce soir. T'as commencé à faire ton tunnel avec le nether en glace. Ah, pour aller chez moi. Bon, en vrai, c'est tout petit. Faudrait plutôt que je mette du soul speed, je pense. Unbreaking Binding 3, j'en ai besoin pour quoi? Ouais. J'ai trouvé. Merci, Bazon. Ouais, mais mais les gars, le temps d'avoir les électras, faut bien que j'ai un plastron qui tienne. Donc on va aller vite fait se soigner, enfin vite fait prendre de l'XP pour réparer tous ces trucs là. La Anvil, c'est pas nécessaire, mais je vais la prendre. La table de craft, c'est oui. Enfin, je vais la prendre pour les bonnes mesures, mais bon. Le tata noisette, ça va. Ça, super. Ah, c'était pour les électras. C'est la fête. Non, mais en vrai, on peut en faire d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais j'en avais besoin aussi. Merci Damien pour le troisième mois, merci beaucoup. Merci bien. Pour l'exclamation PACL. Ah, Chiem qui est encore en train de subir les effets de la boisson. Voilà. C'est la fête. Merci Inox pour le Prime, merci beaucoup. C'est gentil. Du coup, pour faire un point rapide, pour les prochains lives Olicube, on fera un gros live Olicube mercredi, possiblement. Genre...
Un truc du style 16h minuit. Vu qu'on aura enfin, enfin le matos pour aller vite. Donc très probable que lundi... bah non, pas lundi du coup. Mercredi. On fasse tout ce qu'il faut pour commencer. Et je vais sûrement commencer à aller farmer de la Blackstone pour ouvrir le magasin. Pour vous montrer comment je fais, du coup. Parce que je pense que le farm de Blackstone, je le ferai sûrement en stream. Ah mais il y a cooldown ! Hey ! Hey, le déserteur, t'as pas le droit d'être là, hein. Qu'est-ce qu'il y a, le monsieur Jimmy, là ? Hey, vous êtes plus de la stonk, vous avez pas le droit d'utiliser ça, hein. C'est pas vrai. C'est... Oh, je vois du bleu, je vois pas un truc de la stonk, je vois les bleus. Vous non, dégagez, bleu, vous... Je vais te casser la gueule. C'est faux. Je vais te casser la gueule. Oh, putain. Je vais te casser la gueule. Monsieur Jimmy, vous ne voulez pas qu'on règle ça à l'amiable ? Mais vous avez pas le droit d'être là, en fait. Vous n'avez juste pas le droit d'être là. C'est interdit, en fait. Entre ex-collègues, attention, on pourrait bien ouais, s'entendre. Ouais, 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 attention. Ouais, ouais. Voilà comment on fait pour avoir la place. Ça, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on fait pour avoir la place. Eh oui. Par contre, y a pas de... Ah, ils sont là. Putain, mais... Je prends l'agro. Non, mais je vois que ça squatte. Enfin... Les portails sont d'une couleur différente, c'est mon ressource pack qui fait ça. Pauvre Goldan. Hey, c'est la fête. Il a choisi sa voie, les gars. Dites pas le pauvre, il a choisi sa voie. Il a décidé de quitter la Stonks. Bah, quitter la Stonks, ça veut dire ne plus accéder à la ferme à XP et à Gold. Ne plus accéder au coffre d'école. Ah, mais elle m'a volé de la bouffe, je viens de me rendre compte. Ne plus accéder à la zone Stonks. Il faut... Au bout d'un moment, il faut mettre les choses au clair. Mais non, mais... C'est de votre faute. Comment ça, c'est de notre faute? Faut que je vous explique. Goldown, c'est plein qu'on ne le payait pas à la Stonks. D'accord? C'est sa raison pour laquelle il est parti chez les cheminots. J'ai regardé la vidéo. J'ai regardé la vidéo qu'il a fait. Je sais. J'en sais plus que vous. Et son excuse, ça a été... Je ne suis pas payé à la Stonks. Mais t'es stagiaire! T'es un putain de stagiaire! Au bout d'un moment, les stagiaires ne sont pas payés! Au bout d'un moment... Bah... Et après il s'étonne. Bah oui, mais t'es pas payé. Mais normal, tu es stagiaire. Tu es en test. Ça sinon ça... Oh, la jeunesse aujourd'hui. Même pas capable de savoir qu'un stagiaire n'est pas payé. Ah oui, Aryux le sait qu'il est pas payé, les stagiaires. Il le sait. Eh, c'est affolant, hein. Dis-le avec moi que c'est affolant. Je sais, bah merci de me dire, Lilith. Voilà. Voilà. Attendez, il a accès à plusieurs fermes. Il a accès à la Stonks, ce qui est quand même déjà, je trouve, un honneur assez élevé. Il a accès à une ferme à XP, à des bouquins enchantés, il a accès à tout ça. Et il se plaint de pas être payé. C'est la fête. Oh, nos stagiaires n'ont pas de talent, hein. Merci Darulu pour le sub à Zugor. Merci Yvé pour le 13e mois. Tu commences à m'emmerder toi aussi. Oh, putain. Le temps que Lilith se calme, on a un peu de temps. On a un peu de temps pour s'énerver. Ok, let's go. Hop. Non mais... À un moment... Justice pour Goldan. Mais les gars... S'il n'est même pas au courant qu'un stagiaire n'est pas payé... Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller. Au bout d'un moment. Ah non mais, soyons honnêtes. Il faut dire les choses. Parce que du coup, il travaille chez les cheminots. Il a demandé quoi? Il a demandé un diamant chez les cheminots. Ah, elle est bonne celle-là. Du coup, il est bloqué, il taffe chez les cheminots, mais du coup, il gagne un diamant. Un diamant. Ah merde.
Ouais, je sais. Et je sais, c'est choquant, Lilith, je sais. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça, hein. Ah, la jeunesse. La jeunesse. T'allais vendre des équipements Stonks aux concurrents pour faire du pognon. Bah non, mais... Ah mais surtout que la Stonks, on l'a recrutée il y a même pas une semaine, il se barre au bout d'une semaine parce qu'on ne paye pas. Mais normal, tu es stagiaire. Et parce que la Stonks a besoin d'un peu de temps pour se développer, se mettre en place. Quand on va déballer, quand je vais déballer mon gros paquet de Blackstone là, mon BBC. Eh bah bizarrement il va revenir comme une fleur, bien sûr. La Stonks c'est une vraie dictature. Ah bah écoutez, donnez-moi des preuves. Donnez-moi des preuves du pourquoi la Stonks serait une dictature. J'aimerais les avoir. On offre des stages aux gens motivés. Ils sont nourris, logis, blanchis, pervertis. Enfin merde, ils ont tout quoi, ils ont tout. Et même avec ça, ils sont pas heureux. Moi, je comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui. Hein. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas ce que les jeunes d'aujourd'hui attendent. Hein. Je ne comprends pas. Hein. C'est. Ça me met hors de moi. Oh. Merci Kuro hein, pour les vagues de bits. Ce. Alors, si vous voulez faire un clip, vous pouvez. Shell Deserter, voilà, merci. Au moins, nous sommes sur la même longueur d'onde, ça fait plaisir. Et au cas où, s'il y en a au fond de la classe qui ne comprennent pas, c'est du RP, hein, au bout d'un moment. Vous savez, en stream, en général, quand on n'aime pas quelqu'un, il vaut mieux ne pas en parler. Là, si on fait exprès de forcer sur ça, c'est qu'on sait que Golden est une bonne personne. Mais il fait des choix cons. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Ça veut dire que là-dedans, faut que j'arrive à insérer du coup. Faut que j'arrive à insérer plus de trucs. Putain, c'est un enfer. Ça va être un enfer ce truc. Le lit est pas obligatoire. Hein. Enfin, si, ça peut être bien pour le. Pour le. Ah! Pour le Stronghold. Par contre, il faudrait plus de bouteilles. Hein. Deux stacks, c'est pas bon, hein. C'est pas suffisant. Hein. C'est un peu ce truc que j'ai demandé à Bahazon s'il avait des. S'il avait des œufs qui traînaient. Comme ça, moi, pour faire chez les gens, on va balancer juste des œufs. Ah merde! J'ai plus de charbon. Hein? Ah, c'est vrai que la majorité du charbon est partie dans le magasin, forcément. Oh, alléluia! Mais j'ai encore plein d'or qui à cuire. Hein, hein. Si on n'irait pas chercher des pommes en attendant. Eh ben Kaneko, ça va. T'es mort combien de fois? Je suis mort 13 fois. Ah oui, c'est mort 43 fois, mais... Oh, what the fuck. Gep est mort une fois. C'est là qu'on connaît le talent de Gep. Utiliser les tapis ou le kelp. Ouais, c'est vrai que j'ai une ferme à kelp et à tapis chez moi, ouais. Pas con, hein. Pas con celui-là, hein. Là-bas. Par contre, moi je suis con, j'ai oublié ma hache. Pas con celui-là, hein. C'est vrai que, comme tu as vu dans les coffres, j'ai des stocks et des stocks de kelp et de carpettes, hein. Non, mais vous avez l'œil, je vois que vous avez l'œil. Gep a joué deux jours. Mais t'es fou. Gep il stream tous les matins, enfin, beaucoup, assez souvent le matin du Holy Cube. Vous critiquez pas mal, hein. Pourtant ils jouent bien plus que ce que vous pensez. Hein. C'est pour ça qu'on se permet même pas, on n'a pas besoin de les critiquer puisqu'ils jouent en fait. Juste ils jouent. Donc qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Du pognon! Du pognon, ok, bah si tu veux rajouter du pognon par-dessus, je suis d'accord. Ça me va, ma chérie, ça me va. Je prends le pognon par-dessus. Ça me va. N'hésitez pas. Hop. Ramassons un peu de bois. Ramassons un peu de pommes. Le timing était parfait. Ça arrive des fois. Gep Nagato et Nimbus jouent beaucoup, je les regarde de temps en temps. Ouais, non, mais ils jouent beaucoup. Hein. Bah, ça, en fait, ça leur propose, ça leur permet de faire autre chose, ça c'est cool. C'est vrai que Nagato il kiffe parce qu'il joue beaucoup. Nimbus pareil. Gep il joue le matin. Et Gil, bah, il joue quand il peut. Hein. Il a joué hier soir, pour vous dire. Donc en vrai, les. Non, mais. Vous êtes de mauvaise foi, hein, les gens qui critiquent. Hein. Si quelqu'un a critiqué actuellement, vous pouvez critiquer Kinems, qui a joué juste le soir de lancement. Y a qui d'autre? Je sais plus.
Smithies et Vartak. Oui, non, mais Smithies et Vartak, ils jouent, c'est normal, ils sont là pour ça. On parle, si on compare, si on parle des gens qui font de l'UHC à la base. Le maître. Moi, j'ai pas beaucoup joué parce que j'attendais surtout les Elytra, moi. Ouais. Et en fait, surtout parce que. En fait, je savais pas quoi faire de plus que mon magasin, en fait. Parce que le dragon était tellement loin que je voyais pas quoi faire sur une semaine. Et aussi parce qu'il y avait les fêtes. Forcément, j'avais pas forcément tout le temps pour ça non plus. Mais surtout parce que j'attendais d'avoir les Elytra et les Shulkers. Parce que si je veux faire les têtes, il me faut les Shulkers. Si je veux faire mon projet, il me faudra des Shulkers de TNT. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout pour la préparation des choses, quoi. Et aussi parce que, bah, oui, pour être honnête, j'avais pas forcément trop de projets à faire en début de saison. Et en vrai, ce qui est bien, c'est que bah, du coup, vu que je streamais Polycube, les gens allaient voir d'autres streamers. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que je stream pas, d'accord, mais au moins, vous allez voir d'autres personnes streamer. Ça leur apporte de l'audience, ça leur apporte de la visibilité, et ça se trouve, vous pouvez plus les apprécier que moi. Bon, si vous faites ça, vous êtes bad def, évidemment, mais... Bon, tu... Eh hey. Viens sur les papates. Tu fais une vidéo du maître qui disait pas trop jouer en multi et bim un mois après il est sur les cubes. Ouais, le maître il joue pas beaucoup mais après il a des projets de son côté aussi. Hein. C'est très marrant. Non mais tu me prends trop de place. Tu me prends trop de place. Ah mais elle veut venir s'installer avec moi, mais le problème c'est que bah elle prend de la place. Ah c'est rigolo hein. On rigole hein. C'est pas compliqué de préférer les autres. C'est ça qu'on veut voir. Mais du coup t'es bad def. Non mais tu vois par exemple voir. Ah mais c'était même pas quelqu'un en fait. C'est vraiment, il y avait vraiment un squelette en fait. Ok. Mais au moins, c'est cool que vous puissiez aller voir d'autres gens. Genre, tu vois, Red Tox qui a tapé 1500 viewers hier, c'est incroyable. C'est trop cool. C'est trop cool pour lui. T'as pas vu, bon, Luffy fait bien un mètre plus étendu. Ah non, mais Lilith, c'est surtout que, en fait, le problème de chat, c'est que quand je stream pas, elle s'en fout de moi. Vraiment, genre, elle fait sa vie. Par contre, dès que je stream, oh, les câlins, les quoi, je suis... S'il te plaît, fais-moi des câlins. Oui, oui, oui. Ouais, putain, c'est bon. Ou alors elle me prend pour un fou parce que je parle tout seul. Du coup elle essaie de me calmer. Je pense que c'est ça, ouais. La connaissant en plus, c'est vraiment pas un démon, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est juste un... Elle a un cœur pur, ce chat a un cœur pur. J'en étais à 1000 tout à l'heure, mais ouais c'est ça qui est cool. Ah si, mais je sais bien que la majorité vient pas que de chez moi, évidemment. Évidemment. Mais je parle pas que pour moi, je parle aussi, vu que Pierre ne stream pas, bah des gens vont voir d'autres personnes de la Stonks. Même Arius qui streamait pas avant. Qui tape des 800 viewers, bah voilà, c'est cadeau en fait. Après bon, rien n'est gratuit dans la vie évidemment, mais bon. Ah voilà quoi. Cette pomme c'est pas beaucoup. Hein. Non, sinon, moi je veux. Tout à fait. Merci de The Ray pour le 9e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. Putain, y'a rien qui cuit, ça m'en fout. Bon, pire. Hop. Ah, mais attends. Ah non. Ah, ouais, on va distribuer du bois, ouais. Ouais. C'est le nouveau truc révolutionnaire en ce moment. Hop là. Au pire ça va cuire hein. Ah mais attends, mais tout le charbon il est là. J'ai envie de crever. Oh putain de merde. Pourquoi y'a un charbon? Pourquoi y'a du sable? 10 explains that. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait plus de charbon. C'est parce que tout le charbon a été aspiré dans le premier. 10 explains that. Ok. Eh bah distribue mon grand, distribue hein. Distribue donc hein. Ah, pourquoi il y a du fer là-dedans? Pourquoi il y a du sable là-dedans? Ça n'a aucun sens.
Ok. Je vais mettre ça là. Ok. Hop. Je fais un partenariat avec Auré pour avoir du bois, donc des combustibles à l'infini. Bah on a une ferme à Wither. Donc on a déjà du charbon à l'infini. C'est juste que bon, la flemme d'aller faire les allers-retours à la ferme à Wither. Pardon, excusez-moi. Ok. Bah il manque juste des pommes en soi. Hein. Tu. On va aller chercher des pommes avec les villageois. Comme ça je prends ça. Enfin les pommes. Bah des tonnes de pommes des villageois. Ouais justement. C'est justement. Je vais aller chercher ça. Tu peux pas prendre le charbon de la ferme à Wither de Magic. Ah j'ai répondu du coup déjà. J'ai déjà répondu. C'est quand le Pokémon déjà? Les streams Pokémon? Le prochain ce sera vendredi après-midi. C'est cool ta survie. Bah, c'est une survie en multi, hein. c'est pas que ma survie, mais on est là. Mais ouais, du coup cette semaine on va essayer de se motiver à faire des trucs. J'avance un petit peu ma base au moins, car c'est en plus à quelque chose que ma base actuelle, qui est juste finalement une base installée dans un trou. Bien qu'on adore s'installer dans des trous, hein. Ça c'est pas nouveau, mais bon, si on peut tenter d'autres choses de plus agréable. Ah! Bah c'est bien sécurisé ça, dis donc. Merci Antogil, moi aussi c'est moi, merci beaucoup. Merci à vous pour les subs. Ah! Ah ok! Ah bah voilà! Merde! Eh donne! Eh, la vérité, tu me donnes! Donne-moi ça! Et merde! Non, merci. Oh, le vendeur qui m'a volé mon portefeuille quoi. Survie est mort 13 fois. Bah c'est le principe. En effet Minecraft fonctionne comme ça. Hop là. Bah voilà 46 pommes d'or, on va être bien avec ça. Je vais déposer ça chez moi vite fait. Je vais tomber le portefeuille derrière le comptoir. Non, je l'ai vu. Salut Chifou, ça va. Quelle heure est-il? 20h02, ok. Est-ce qu'il faudrait que je prépare d'autres? Ah putain, s'il y a ça, il faudrait que je prépare, mais je sais pas s'il les a fait. Ça on peut déposer du coup, le bois, je vais en garder un petit peu sur WAM quand même. Ça ce sera pour les élytres A. Ok, ah oui je voulais faire plus de glace bouteille. Allez courage les fours. Et tu es prêt pour le dragon? Ouais. C'est vrai qu'il est même pas enchanté mon casque. Bon on va aller faire ça tiens. Faudrait que j'aille faire vite fait de la netherite. Ah mais... Oh. Il y en avait encore dans les coffres. Augmentons le... Bébou stick. Augmentons le bébou stick. J'ai plein de firebox. Non mais j'ai ce qu'il faut. Ah oui, de la canne à sucre. Ah, il me faut de la canne à sucre. En vrai, à stocker, c'est plus simple de stocker en canne à sucre et en gunpowder plutôt que de faire que des... Enfin, plein de fusées. Ce sera plus simple à gérer. Je peux faire un stack en plus, hein. C'est l'heure de se moucher. Toujours pareil. Ah le repas de Noël qui ressort par le nez, tiens.
Alors. Bon, en vrai, je vais juste aller vite fait augmenter, faire mon casque. Juste lui mettre, juste aller prendre un bouquin bending, peut-être. Ouais. Et après, on va y aller. Enfin, déjà, on a une réunion à faire. Avec la Stonks. Et après, on verra. En fait, tu veux dire les 8. Bah, je crois que je vais pas vous expliquer les blagues, les gars, mais. La rue! C'est pour moi, je vous l'offre. C'est exactement ce que j'ai dit. La U. Son entreprise bien bah attendez je vais la mettre sur la GoXLR. Attendez, faut que je la mette sur la GoXLR. Ce sera l'alerte. Alerte la rue. Attendez, sur quoi je vais mettre? Sur ça. C'est bon, ça DL en alors attendez, il faut que je mette ça sur le C. Hop, ici. Bam, bam. Bim, bam, boum. Ça fait sweep et ça fait vroom. Et ça fait... Boum. Boum. C'est bon. Parfait, on a ce qu'il faut. Let's go. Personne n'a voulu renommer discipline. On avait besoin pour faire un STO. Après, si vous n'avez pas la rêve du STD... Ce n'est pas la référence du STD... je vous invite à aller marquer STD sur internet, vous devriez avoir des informations sur le fait que en français c'est une c'est un dénominatif pour un truc en français, ça s'appelle, on utilise le terme MST. Voilà, si vous n'aviez pas l'explication. Ok. Ce qu'on appelle en France des MST, en anglais c'est STD. Bah, la même chose mais traduit en anglais finalement. Je vais pas vous apprendre la langue après hein. Vous savez comment ça marche hein. Hop là. Merci Happy Day pour le Prime, merci beaucoup. Merci Ulti également pour le 3ème mois, merci beaucoup. Ok. Allons-y. Il me semble que j'ai tout hein. Juste aller m'enchanter du coup le casque. Enfin, m'enchanter le casque là. Au pire, j'ai assez pour. Ah, hop là. Avant. Tac. Salut Orsino. Bref, t'es plus au cube. Merci beaucoup. Salut Dokem. La rue. Ils sont pas là. T'es pas chez lui? Qu'est-ce qu'il mange? Hop là. C'est vraiment ça qu'on veut. C'est pas vraiment ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On n'aura pas respiration et tout, mais c'est pas grave. Là, ouais. Mais y a plus d'enclume. Voilà, on va faire avec ça pour l'instant, c'est très bien. Et chez lui l'autre? Pas chez lui. Dragon, c'est à 21h.
21h pile, hein. Il a dit. Hein. Moi, en 21h pile, je vais aller sur le site heure.com. J'en ai rien à foutre et je regarde. Dès qu'il est 21h, je suis dans le portail. J'en ai rien à faire. Hein. Franchement, j'en ai rien à faire. Hein. C'est la fête! C'est vrai que c'est la fête. Merci, Biquette, pour le 7ème mois. Merci beaucoup. Toi, 100%, c'est chaud, c'est pas pour regarder tes lives. Mais t'inquiète, sinon c'est normal. C'est normal. C'est la période des fêtes. C'est normal, t'inquiète donc pas. Ah non, c'est pas là que je vais aller, moi. C'est là-bas. C'est la fête! Merci, Bather, pour le 10ème mois, merci beaucoup. T'as pris un mending pour les Elytra? Non, j'ai pris un Breaking 3 mending. C'est assez différent. Bon, allons au centre commercial. Oh, mais attends, ils ont fait leur maison là-bas, j'avais pas fait gaffe. Je vais aller voir ça. Oh, du coup, avec mon pack, ça fait des petites textures de neige de temps en temps. C'est propre. Du coup, c'est chez les cheminots, là. Là, ça ressemble à une gare, ouais. Hé! Hey, c'est sur quel quai, mon train? Ah ouais. C'est pas beau, par contre, hein. Le connard. C'est pas beau, hein. Ouais. Ma soeur aurait fait mieux. Allez, on y va. Non, c'est propre, on va voir ce qu'ils ont fait. C'est la fête! Merci Karwak pour le 4ème mois, merci beaucoup. La grossesse avance. Eh bé. Eh bé. Attention au bout de ventre. Et au vomito. Ouais, du coup, bah, faut que j'aille à pied au centre commercial. Hein. Allons-y. Je rappelle, hein, Orsino qui nous a dit juste avant, je ne suis pas à 100%. Bon, bah, je sais pas... J'ai peur de voir à quoi va ressembler 100% du coup. Merci pour les 25 subs offerts. Ah vache. Le vache. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Orsino. Tu es malade. Il est malade, votre pote. En tout cas, on voit que Aryux. Ouais. À la Quantic Build, hein. On voit qu'il dirige, mais qu'il bulle pas. Musique un peu forte. Ah, c'est énorme, tout à fait. Avoir trop d'argent dans le compte en banque en fin d'année, les impôts douillent après. Ah, ça marche comme ça chez vous, c'est plus t'as d'argent sur le compte en banque, plus tu payes. Eh bien. Puisque c'était les comptes en Suisse, hein. Ah ouais, Rux prend trop ses aises. Ouais, on en discutera à la réunion. En plus de payer en carottes d'or mon magasin, il prend un peu ses aises quand même. Hein. Ça fait une semaine qu'il est en train de faire le QG, toujours pas fini le QG. Enfin, c'est même pas le QG, c'est un mini, c'est une mini maison. Il faut tous les enflure. Ah, ils font ce qu'ils peuvent pour choper un petit peu de thunes, hein, évidemment. Ah. Oh, tout ce chemin juste pour retourner au centre commercial. Sachant que j'ai même pas de pognon sur moi. Enfin, je n'ai pas de... Ah ! Putain, mais pourquoi ça... Mais ça marche jamais ! Mais pourquoi être aussi corrompu? Allô? Pognon! Mais pourquoi? La vie, cette sale race. Et pourquoi tu veux pas essayer de reconnecter au voice mode? Ah! Pognon! Yes! Live Darius a craché en plus. FDR. Oh! Salut! Apparemment tout le monde est là. Ah. Eh ben.
Bonjour. Allô. Allô, allô. Ah, il pleut. Ah. Eh ouais. Ah, ouais, mais ça va, c'est cool en vrai. Les éléments principaux sont là, les yeux verts, le côté doré. Le côté doré. Le côté doré. Non, t'es gentil. Mais t'aurais pu faire les yeux un peu plus grands quand même. Là, il a l'air aussi fatigué que moi. On dirait petit biscuit dans Shrek, quoi. Belle référence. Ouais, j'avoue. J'aime la référence, Valier. J'aime bien. Ouais, mais. J'aurais pris un petit coup de soleil aussi, il a fondu. Eh, Valier, j'aime tellement ton magasin, j'en ai acheté deux. Deux, mec. C'est vrai ? Eh ouais, mais oui. Ça marche trop bien, mais merci beaucoup. Mais moi j'ai été sublimé hein, par ce bulle hein, franchement. J'irais pas. Waouh, waouh, waouh. Non, arrêtez les gars, arrêtez, je suis gêné. Ah, j'ai fondu en larmes en stream, hein, franchement. Ouais. Oh, le menteur. Non, mais c'est bien, non, mais c'est bien, on voit qu'il y a un effort, Negato, c'est cool. Ouais, bien sûr, alors il y a un effort. Eh, au moins t'essayes. Tu sais quoi, je prends un screen, je vais m'en inspirer pour le projet futur. Ouais, ah, c'est sûr. Incroyable. Vraiment. Magnifique. N'oublie pas de mettre mon nom en dessous, genre pour bien dire. Évidemment, je mettrai en gros dessus, t'inquiète pas. Ouais, voilà. Parfait. T'inquiète. Parfait. Très belle affiche et tout, bien parfait. Merci beaucoup. Ouais, donc, là, ça marche bien son magasin, ça marche bien. Ça marche bien. Allez, regardez. C'est hey. Pas mal. Sur 20, le bulle de Valier. Bonjour, je mettrai deux talents de Jimmy Bois en build. Franchement. Ah, c'est difficile de pas tout regarder ce truc. Ah la vache. C'est le toast là-bas. Le toast ? Non, c'est pas le un toast. Le toast. C'est un totem pour ressusciter. T'as mal vu, je crois. Non, tu prends c'est pour un qui toast. Avec ta. Tu prends pour qui avec ton. Avec ta. Comment ça s'appelle ? Le truc pour voir là. Les yeux. Le toast de résurrection. Ah ça, mais comment... Ça s'appelle des c'est yeux, Nagato. Yep, copper. Et vous, ça convient son prix ? Pour les totems, 6 diamants. C'est bien en vrai, c'est un bon... C'est un bon prix, c'est un bon prix. On pourrait même le faire un peu plus cher. Pff, quel mytho. Quel mytho, Pierre. Quel mytho. Merci Ryuden pour le 14e mois, merci beaucoup. C'est pour ça que Kirkland Moustache. Non, Kirkland Moustache c'était bien mieux. Moins bien, pardon. Selon moi, c'est un chef d'œuvre. Selon lui, c'est un NFT. Ça n'a aucun sens. Il l'a fait à 8. Et... Quoi ? Il le fait à 8, ça passe quand même. Ça passe quand même. Bah non, mais il pourrait mettre plus cher. Hein. C'est le début du serveur, faut que les prix soient exorbitants, justement. Ça faut que ça fasse mal au cul. C'est normal, c'est censé être rare. Ça, moi je comprends pas les gens qui mettent des prix pas chers. C'est sur chemin à Ux. Putain. Oh la tristesse. Putain, j'ai cru que c'était de la Blackstone. Est-ce qu'ils vendent de la Blackstone ? Bon, moi j'ai stuff pour le dragon parce que j'ai absolument rien de préparé. Si je mets juste une citrouille sur ma tête, c'est bon ? Oui. Ça peut marcher. Ça marche. Parce que moi je suis un peu fatigué, du coup je pense que j'investirais pas plus qu'une tête de citrouille pour aller dans l'end. Ça m'arrangerait. C'est un cadeau. Ah bah. Oh waouh, merci beaucoup. Oh putain, ça c'est la meilleure des. Ah la générosité, on est là. Hein. C'est la stonks. Ah ouais, par contre, oh là, la wow c'est pas on, génial. On flic. Oh là là. Oh, ça te va trop bien. Je sais. Tu es magnifique. J'ai toujours été faite pour porter des têtes de citrouille. C'est un peu triste, mais. je me sens un peu à l'étroit. En vrai, j'ai pas forcément besoin de têtes de citrouille. Si je vise correctement, ça devrait aller. Peut-être que je peux venir full oui, naked, non faut... C'est avec mes jolis faut vêtements. Pas regarder. Tout alors, tu peux essayer, mais après, bon, voilà. C'est... Tant bah, que tu, tant que tu fais dodo dans le stronghold, ça devrait aller. Quoi ? Hein ? Non, je dis au cas où. Évidemment. Hop, moi j'avais préparé du stuff un peu à tout à l'heure. À tout à l'heure, Tadjin. Faut que je regarde un truc vite fait, moi. Attendez, j'arrive. Ok, je dormirai dans le stronghold.
Oh, c'était au cas où, moi, après. J'ai senti qu'il y a eu un petit malaise là. J'ai senti qu'il y a eu un petit malaise quand j'ai fait ma phrase. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas aller plus loin. Je me suis dit, on va arrêter là. On va arrêter là parce que je sens qu'il y a eu un. Il y a eu un truc. Il y a un moment où on s'est dit. Oh, il est là. Oh, monsieur. Le collègue. Oh, attendez, je vous regarde en profondeur. Ah, putain, comment il va celui-là alors? Oh, vous avez le masque. T'as apporté les boissons pour ce soir? Ah merde, j'ai oublié, je vais aller chercher. Attends, il y a cette histoire de contrat là. Non mais ouais, moi je le dessine pas. Attends, il veut. J'ai compris ce truc. Non mais t'as vu ce qu'il veut? Lis le contrat. Bah, il veut surtout me filer de la TNT gratos et des fusées gratos. On regarde le contrat. Il prend un bouquin et lit le contrat. Non, lis le bouquin là. Je vous propose d'accéder à ces étrangers si on signe le contrat. Le contrat. Contrat hermétique. Je certifie par le présent serment d'accepter en échange d'un accès libre à cette échoppe et pour mon usage personnel uniquement. De remettre lorsque le moment sera venu ma tête au propriétaire obscur de ce pacte. Moi ce que je veux savoir c'est un truc à la 60ème place. Il veut ma tête. Et en fait il veut te tuer en fait. Donc je peux signer au nom de Red Tox puisque j'ai sa tête. Exactement. Ah. Ah attendez, page 66, par la présente je cède également mon âme et toute ma fortune. T'as vu? Ah merde. T'as vu? Bah, je l'ai lu ça, je me suis pas fait avoir moi. Attends, est-ce qu'on peut rajouter un petit astérix? Bon vas-y hein. Non mais y a pas de soucis pour Lucie. Attends, les gars, y a pas de soucis, non applicable. Y'a aucun problème. Tu sais une vie, qu'est-ce que c'est dans la vie? Ah mais c'est la fortune. Salut bel homme. Bonsoir monsieur. Attendez, je cède mon âme et quoi d'autre? Attends, je me mute Discord. Vas-y. Coucou. Parfumé maquillé alors? Ah bah pour on, le dragon. On est c'est parti prêt. Là. Ah oh ouais, on a apporté les boissons. Applicable. Aux membres de la Stonks, mes chers amis. Eh, t'en veux une bien bonne? Faut que je te raconte un truc. Je signe ça, putain, mais je cède ma fortune, c'est terrible. Mais faut pas. Bah, j'ai rajouté un astérix. Mais sinon, signe un autre nom. Bah, je signe si. Eh bah, voilà, parfait. Ah non, attendez, bah, viens pas me retomber dessus. Ah, cette histoire. Bah, ça après. Oh là! C'est compliqué parce que c'est ma fortune surtout. Mon âme, bah bien ça me dérange sûr. Pas. Ah moi, qui veux mourir, ça me dérange pas, mais par contre ma fortune. Ouais, mon pognon, tu non. Tu sais, la fortune de la Stonks, on est où là? Va falloir que je discute, un spécial N fusée... Putain, Fight 3 et tout. Non, mais je vais discuter avec Dave, ça va pas, ça va t'as pas. T'as raison. Bon, attends, je fais un petit tour. Oh, attends, le pognon qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai garé le pognon. Droit devant. Pourquoi c'est en rouge? Pourquoi c'est rouge maintenant? Parce que c'est les reliques de Noël. Ah, je crois que c'est ma femme qui l'a mis en rouge. Attends. Est-ce qu'il y a du pognon? Oh là 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 là! Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, aïe. 14. Oh, attends, il y en a au-dessus, T'as pris un certain accent. Comment ça? Oh là 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 là! Oh, là... oh mes aïeux! C'était un accent. Non, mais voilà. Vas-y, on a rien, ouais, ok. Ok, ouais. Hey, t'en veux une bonne? Tout à l'heure, je suis allé à la ferme à XP, il y avait Goldorm. T'imagines? Attends. Il se sert encore de nos affaires alors qu'il est plus chez nous? Tu l'as buté ou quoi? Ah, j'ai failli, hein. Non, mais dès que je suis arrivé, il s'est barré. Donc, il a compris le message. Étrangement. Non, mais en plus, regarde, il m'a traité d'assassin alors qu'il avait envoyé une. T'as pas suivi l'histoire? Non, j'ai pas suivi. Mec, il a essayé de faire. Tu vois le bâtiment Stonks là? Ouais. Construit au spawn là. Ouais. Enfin, notre maison là. Il a essayé de la démolir, il a déployé, bah, il a fait un élevage secret d'axolotes sous les fondations. Non. Il a essayé de faire grignoter les fondations du bâtiment. Oh mais pardon. Donc du coup, moi j'y suis allé, j'ai buté nos amis les axolotes, sale bête d'ailleurs. T'as récupéré toutes tes têtes? elles sont actuellement toutes dans mon couloir qui mène à ma base avec écrit des assassins. Ah, voilà. Oula, d'accord, ah oui. Donc, il les aurait tués lui-même, ces assolos, c'est bizarre. Ah, je pense, il y a quelque chose de flou. J'ai reçu des messages d'une personne anonyme que je tairai le nom. Mais tu sais les raisons pour lesquelles il a quitté la Stonks? En plus de toutes ces histoires à Cryptox? C'est quoi? Parce qu'il disait qu'il était pas payé, alors que c'était un stagiaire. Mais c'est un stagiaire, personne n'est payé. Bah oui, c'est parce que c'est des stagiaires. T'imagines? Chez la Stonks, c'est que des dividendes, faut être patron, c'est il tout. Il a préféré quoi être salarié chez les cheminots pour un diamant plutôt qu'à des stagiaires à la Stonks, t'imagines? Ouais, sauf qu'il va se faire virer des cheminots, des histoires sombres avec Aurélien, comme quoi, tu vois.
fonctionnaire, mais il arrive à se faire virer. Bah ouais, non mais... Oh là là, il a improve avec... Il a improve avec une table de craft, incroyable ce shot. Bien sûr. Alors, j'ai oublié de mettre un filtre anti-débutant. Mais je sais, je sais. Parce que Anna a failli péter ton shop, mais ah. j'ai réparé. Ah. Elle a mis des trucs qui se cuisaient pas et du coup tout était bloqué. Ah. D'accord. Ah, tout s'explique. Mais tout. Oh, ça. Oh putain, ça a acheté des pommes d'or pour ce soir. Oh. Attends, il faut que je note 2-4. J'ai fait 15 diamants de bénéf. On va le mettre. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas marqué moi non plus. Attends, sur notre. C'est dans quoi là? Vente. Blackstone 15 diamants! Oh là 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 là! 27-12, bon, ça faisait quelques temps. Les 4 autres diamants. Non, c'est pas 19, les 4 autres diamants, je les avais pas pris. Pourquoi? Attends, j'ai encore de la 6 lanternes sur moi, je vais poser ça. Ah, mais toujours personne n'a changé ce beacon JPP. Alors, on va faire un petit tour des boutiques, mais normalement. Eh, mais Arik, c'est toujours pas de retour. On a la réu normalement. Y'a la quoi? La rue. Boum. Bien sûr, la rue. La rue, bien sûr. C'est quoi ce rue? Oh, de quoi? La rue. C'est quoi un plaisir ce jump boost. Ouais, c'est très bien. Par contre, attends, faut pas qu'on traîne trop. Il y a la rue dans 5 minutes normalement. Ouais, attends, on fait vite fait un tour des shops là, parce qu'il y a des nouveaux shops là qui sont apparus. Ouais. Aux gens. Le shop de Copper, tu l'as vu? Il est incroyable. Ouais. Voilà. Il y a le shop. Tu l'as vu le shop de Nagato? Je l'ai vu en image. Attends, je vais aller voir. Ça, c'est le shop de Red Tox. Est-ce qu'il fait des ventes au moins? Ouais. Non. Je crois qu'il a refilé tout à l'heure. Qui est vraiment classe pour le coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça, on a vu. Ah ouais, le shop de Nagato. Oh là là. Tu sais qu'il m'a tellement impressionné que j'ai acheté 2 totems. Il a collé son shop au futur shop d'Anna, mais bon. Alors cette petite histoire d'ailleurs, c'est rigolo. Ah, mais je sais pas ce que c'est son shop, moi. C'est la boutique de fer. Non, mais c'est bon, sinon il y a la place. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Boone devait construire sa tour d'architecture ici. Et puis, il a dit au dernier moment, non, mais je vais la déménager, je vais la déplacer, je vais la construire ailleurs. D'accord. Au moment où il était en train de clear la zone, nous, on est arrivé, on a fait, ah bah c'est à nous maintenant. Hop là. Bien vu, ça. Bah, c'est comme ça que ça totem, marche. 20 sur... Mais en vrai... diamant le totem. Par contre, non mais en vrai par contre ça se vend bien hein, ça par contre il bah, bien. Le pire c'est que je suis quasiment sûr qu'il est fermé à la main. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Écoute tant qu'il est heureux et qu'il fait de la thune, on peut pas lui dire grand chose. Le totem il a un petit sourire d'un air je vais te manger et il a pas de nez, c'est un peu ouais absurde. Tout à fait. Bon le shop à Magic mais ça on avait déjà vu je crois. C'est il trop a cher vendu, et bah non. Je crois qu'il a refilé hier. Ah, il a refill alors. Ça, c'est le futur shop à Wutan. J'adore le petit truc. Le guide là. Du Q-bar. Je crois voilà, c'est... lieu principaux, ouais. Avec les boutiques 1$, 2$, 3$, 5$. Ah, ouais, c'est trop bien. Oui, les farms à la main. Okay, un diamant, le guide, il y a 5 on pages. On confirme que Nagato les farms à la main. Quel homme. Oh là là là. Ça, c'est du vrai travail d'artisan, ça. C'est pas encore dispo, mais c'est cool. T'as, j'ai pas regardé le magasin, par contre, de déco. Le magasin de Copper. De déco, ils ont pas fini encore. Ah, ils ont pas fini encore? Non. Oh là là, bah ouais, mais ça fait un bulle de 800 km, bah forcément. Ils ont rajouté une bougie depuis hier. Stonks. Par contre, le. Ah, le magasin de Copper est très classe. J'aime beaucoup l'enseigne. Le shop de Copper. C'est, il c'est, est... c'est vraiment. Ça se voit, c'est un shop de Québécois, tu vois, parce que ça va de bas en haut. Copper! Et ça monte Copper quand tu le dis. Copper! Et t'as vu l'intérieur, il est vraiment très très beau. Ah, c'est bien ce qu'il a fait, franchement, c'est. Alors moi. Bah, tu remplaces ça par crier, c'est gagné quoi. Mon petit péché pignon, c'est de passer, donner de coups des haches pour déwaxer. Bien vu ça. Mais bon. Et attends, t'as vu le shop à Arux ou pas? Il a fini ou pas? Je suis pas sûr. Non, il a pas fini, non. Il a même pas commencé. D'ailleurs, c'est un point que je soulèverai à la Réus. Hein. Mais il a commencé. Oui, non mais. Je te rappelle que. On a une maison au spawn qui doit faire depuis une semaine, il a toujours pas fini. Hein. Ouais, c'est vrai que. En ça, fait, par contre, ça, je vais le préciser à la Réus. Hein. Il commence ses builds et il ne finit pas. Et en plus, il va pas être là, il y a une coupure de courant là, c'est quoi ce bordel? Et en plus, je vois qu'il y a des fours dans son truc alors qu'on a un magasin. Bon. Tout le monde se fout de ma gueule dans ce groupe. Parce que je les ai vus, hein, Bazon qui a fait des fours chez lui pour pas servir des biens. Je les ai vus. Hein.
Moi j'ai utilisé tes fours. Ah bah ça me semble, ils sont gratuits pour toi. Bah pour le reste de la sonde, c'est carottes dorées que j'ai récupéré. Après bon, le reste de la sonde aussi c'est gratos, mais bon. Il va pas s'en servir, il va pas s'en servir. Hein. Terrible. T'inquiète pas, j'annonce mon grand retour dans la vente de Blackstone à la rue. Ah. Bon, la rue, bah allez, on vient, on y va là. C'est temps d'aller à la rue. C'est par là. Ah. Oui, il y a une petite déviation temporaire. Oui, j'ai vu, ouais, pour ce soir. Écoute, c'est bien signalisé. Oui. Bah, à part le panneau en haut de l'échelle, qui est un peu bizarre, mais. En fait, c'est pour quand ils arrivent de l'autre côté. Ouais, et là, il est pas bien mis en face, mais j'ai plus de glow squid, donc. Ah yes. Ah. Allons-y pour la rue. Un plaisir d'ailleurs ici de mettre les boutons, on le voit pas, mais sous la plateforme. Ah. J'ai dû faire l'acrobat. Ah oui, en effet. Oh putain. Tu vas t'éclater. Hein. Bon. T'as prévu combien? T'as prévu un live 12h du coup là? Non. ça va bien se passer. Ah. Ça va bien se passer. La rue. Mais la rue, attends, il est pas censé avoir fait une salle de réunion là-dedans là? Bah si, mais y a pas salle de réunion. Regarde. Ah bah c'est pas vrai. Oh bah donc super. Ok, c'est de la merde, viens. On va faire camping. On va faire au village, allez hop. Ouais. Aïe 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 aïe. Oh, c'est chômeur. Ah c'est stagiaire. Ouais vas-y, la rue. La rue là. On va faire une rue sauvage. Où est-ce qu'ils ont construit ça là? Il a pas fini, je crois. La rue. Attends, il y avait un truc que j'avais pas pris ou je pose mes diamants. Ah si, j'ai pas pris l'apéro pour la rue. La rue. Ah bah non, c'est bien, t'as mis ton masque, bravo, c'est bien ça. Ah ouais, j'ai mis mon masque. Et j'ai la grosse tête. Ah bah ça c'est pas nouveau, ça c'est depuis hier je l'ai vu. Hein. Ça j'ai vu depuis hier, ouais. Ouais. Par contre, c'est quoi ce travail là? C'est quoi ce travail, ça? Ça moche. Non mais ça là. Non mais lui là, c'est quoi ce travail, ça? C'est quoi ce travail? Ah, oh les problèmes. Et après on va dire qu'on traite mal nos employés? Bah évidemment. Ouais. Où sont les gens? Hein, Pierre, là, la rue. Pierre, c'est quoi ça? La rue. C'est quoi ça? Oh. Ça c'est. Non mais après on a des problèmes, on nous dit qu'on s'occupe mal de nos. Non nos mais employés. T'inquiète, c'est. Justement, on lui a accordé trop de congés, il est un peu trop bronzé au soleil. Ça va s'arranger, un peu de crème solaire. Ouais. La rue! Il est muté! Ah. Il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas de. Il n'a plus de voix. D'accord. Il a tout perdu. Alain! Allô, la rue! La rue! La rue! Je désactive les touches rémanentes sur le clavier. Ah. C'est bon, désolé. La rue! La rue! La rue! J'avais plus internet, presque. Ah, il y a des problèmes partout. La rue! Boum! Oh. Qui nous manque il est parti chercher à manger. Ah, ah. Bah pendant la rue, tiens. Bon, parfait, j'en ai besoin de ça. J'en ai besoin. Moi aussi. C'est bien, le son est moins fort. La rue. J'arrive. Oh, la rue, merde. C'est écrit stream, bon. C'est revenu à Rux ou quoi là? Non, il se branle les couilles. Hein. Qui va dormir là? Vous avez chacun un lit normalement. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc très rigolo à faire qu'on peut peut-être faire à quelqu'un d'autre. Ouais. Placer un lit sous le portail et le forcer à dormir dedans et pas casser le lit. Chaque fois qu'il ressortira de laine, il re-entrera dans laine. C'est pas il mal. Il est coincé. Ouais, est-ce que quelqu'un, tu penses, va dormir dedans? Bah, faut le forcer à faire un clic droit. Ouais, possible. Non, mais on va éviter les bêtes bombes, hein. Non, on m'a demandé de ne pas être... qu'on casse pas les couilles ce soir, donc on va essayer de pas casser les couilles ce soir. Non, mais... C'est autre chose, hein. Moi, je vous propose juste un petit apéro... Ah bah, petit apéro, bien sûr.
Ah bah faut bien un petit canon avant de partir hein. Je distribue les petites bouteilles de vodka. Tiens, ouais, tiens Nicolas, la bouteille de vodka. La vodka à garder, on fêtera l'apéro avec tout le monde. Tiens, petite bouteille de vodka, ah. Bah, petite bouteille de vodka. Aïe. Qui a pas eu sa vodka? Ouais. Vodka, la tequila. Heineken. À garder. Mais non, mais pas. Ah, ah mais non, ça. Heineken. Balternier. Tiens, j'en ai une aussi. Kebabiste, tenez votre bouteille de vodka à garder pour après. Ils sont chez toi les œufs, Bazon, par contre? Ouais. Ah mince. J'ai pas récupéré les trucs chez Bazon. Chez Bazon. Je reviens. Bravo. Bon, la réu là, on va être en retard là, la réu. Ouais, mais il faut les œufs, faut aller chercher les œufs. Quels œufs? Je vais juste en terminer la salle de réu là. Ouais, marrant. Il est marrant, il suit pas. Il suit pas. Le son de leur voix est pas trop fort. Parce que moi je le trouve hyper fort chez moi, mais ça se trouve chez vous c'est tranquille. Oh. Jackpot. Si, non ça va, bon, non, rien. Non ça va, je trouve ça fort aussi. Je vais essayer ça. Où est-ce qu'ils sont ces œufs? Mais où sont les œufs? Où sont les œufs? Après c'est le son du mode, ça le problème, c'est que je peux pas forcément baisser plus que ça parce que c'est le son du mode. Ah là peut-être. Ah. La réu. J'ai pas beaucoup en rien. Hein. On va acheter ça. Hop. J'ai pas beaucoup hein. Hop. C'est bon. On va faire avec ça. Moi c'est le son directionnel qui me gêne le plus. Oh mais les gars. C'est le but du mode au bout d'un moment. C'est la musique du Nier, sûrement. Vous êtes prêts? Bon, messieurs. Ouais, il y a plus de place, mais tu peux me rejoindre dans le jacuzzi. Ordre du jour. ordre du jour. Picolé. Ah, et santé, messieurs. Allez, santé. Allez, bon, j'aimerais évidemment commencer par les propos de Monsieur Arius juste à l'instant. Oui. Alors qu'on lui demande de construire un bâtiment depuis une semaine, que le bâtiment n'est toujours pas fini, je trouve que c'est bas de vous moquer de moi. Excusez-moi, monsieur, ça arrive au plus vite. Ouais. On se dépêche, hein. Une semaine de délai max, sinon je passe de chevalier kebabier à sous-chef kebabier. Vous passez en reset non, stagiaire, attention à vous. Ouais, attention, le reset arrive très vite. Donc va falloir bosser maintenant. Quel ordre du jour Oui, pour ce soir, évidemment, si certains galèrent à avoir des petites ailes du démon, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qu'on aurait déjà. Allez, là, t'es en retard, tu t'assois. Ouais. Oh, mais ouais la poulet coucou! Ah, c'est pas mal ça! Space cake, go! Parfait! J'ai pas prêché tout ça. Donc, les ailes. Et sinon. Quoi d'autre? Merde! Pardon, j'ai fait ma blague. J'ai préparé des échantillons gratuits de Stonks Apple. Ah, parfait! À distribuer! Pour évidemment faire la pub et ramener tout le monde vers le shop. Tout à fait. Bien sûr! On essaye de redorer un peu l'image de la Stonks maintenant que le terroriste n'est plus là. Donc, oui, bien sûr. Pas d'attaque surprise, pas de bête bombe, pas de poussage dans le vide des autres membres de la faction. D'accord. Peut-être. Oui, messieurs. Peut-être j'allais dire Vartak, mais je ne crois qu'il est pas là. N'oubliez pas sécurité, travail. Sécurité, travail, STD.
C'est quoi le dernier? Hein? Messieurs? Stagiaire. C'est sécurité, travail et ouais. Diplomatie. Aïe aïe. Ah, c'était pas ça. Non, monsieur. J'ai une deuxième chance. Aïe. Sécurité, travail. Non. Oh là là. Monsieur. Sécurité, monsieur. Travail. Le travail. Mais non. Ah merde. Dommage. Discipline. Discipline, bordel. Excusez-moi. Oh là 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 là. Plongeur. Attention à deux doigts. Ça sera plongeur kebabier pour ce soir. Excusez-moi, la boisson est trop bonne. Quelqu'un. Il manque de la boisson à quelqu'un ou c'est bon? Ah, on est bien là, on est bien. Désolé, vous avez. Il est où les relos? Tenez les relos pour péter avec les amis des autres factions, c'est cadeau. Et ça aussi, la petite boisson. Oubliez pas de récolter du souffle de dragon, évidemment. Ouais. Voilà. On y va en mode à fond. Bien sûr. Sinon, quels sont les projets pour les prochains jours? Mon shop pour la stroke, c'est bientôt terminé. Et le bâtiment, et la maison. Excusez-moi. Venez voir. Je suis en train de faire la salle de réunion avec vos bureaux. Bah, allez. Ça sera fini, bravo. On va aller voir, Pour la prochaine réu, hein, à l'intérieur, la être prête. La réu. Suivez-moi, mes seigneurs. Oh, merci. De toute façon, on a rendez-vous là-bas. Ça avance au moins l'explosion du terrain. Ouais. Ouais. On peut aller faire une visite de chantier, Lou Red Tox. On va faire une visite de chantier vite fait. Maître de chantier, là, dépêchez-vous. Ouais, on va faire une visite de chantier là. C'est par où? C'est par là, je crois. Fais gaffe, hein, je suis d'origine portugaise. Moi, le chantier, c'est. N'hésite pas à filer un coup de main. Allez, on va tout droit. Basson, tu nous feras part de ton expertise en tant que portugais de sang. On va faire les rues de chantier après aussi, monseigneur. Mais quel chantier il y a? Quelle histoire hein. Oui, bon, on les fera. On y est bientôt. Par contre, n'oubliez pas que le Covid-19 se balade là, faut mettre les masques. Oui. Tu vois que vous négligez un peu trop ça, les gars. Ouais, j'ai oublié mon masque, mais bon. Aïe. Pas encore mes injections, mais ça arrive bientôt. Ouais. Étant donné que je suis à ma 14e dose du vaccin. La 14ème, mais tu les collectionnes ou quoi, comme les Pokémon? Ça explique certaines choses. T'as pas avoir des bonus, hein? Alors? Oh! Ah! C'est mérité. C'est mérité. Rapport de chantier. Rapport de chantier. Monsieur Tox. Accident de travail. Mais il n'y a pas de pause pour les stagiaires. Comment ça se passe? Comment ça se passe le chantier là, merde. Le chantier il se passe bien, il y a quelques imprévus avec des petits aquifères, mais sinon ça va, ça avance. Définir vos aquifères. Ouais, ça avance. Il y a quelques blocs en l'air quand même. Hein. J'aime quand on m'écoute. C'est quoi l'estimation de fin de creusage de trous là pour qu'on puisse démarrer le gros d'œuvre? Alors, je dirais environ le 5 janvier, on devrait avoir fini, je pense. Eh bien, je note ça dans mon carnet. C'est long. 5 janvier, ok. Ouais, Jimmy, note. C'est noté. On fera la vérif. D'accord, ok, ça marche. C'est pas mal. Ouais. Les fondations ont l'air solides en tout cas. Ouais. Les fondations sont pas mal. Oh merde. Excusez-moi, patron. Ça glissait. Patron. Bordel. Patron, va finir ton putain de bâtiment avant de me casser la gueule. Allez. Ok. Bon, ils sont partis. On tabasse le stagiaire. Ouais. Bon, si on allait, si on retournait à notre bâtiment là, voir la salle de réu, la fameuse là. Avec un peu de lumière. Ouais, c'est pas grave, on mettra la lumière. Et pas que de la lumière. Il y a le gros œuf qui est bientôt terminé par contre. Et ça commence à tourner un peu cette boisson là. Tu bois quoi de beau toi? Petit pastis là. Ah, moi je suis sur un Sex on the Beach là. Ça fait plaisir. Ah, moi je suis sur un Cosmos. Ça surfe. Ah bah. Tu veux goûter Pierre? Allez, t'inquiète pas, j'ai le vaccin, tiens. Moi je l'ai pas. Patron, goûtez, c'est de la 8-6. Ah, oh, mais de la 8-6, non mais ouais, j'hallucine. C'est dégueulasse. Mais j'hallucine. C'est du pétrole. J'hallucine. Bah, allo. Non mais. Allez hop.
Ah. J'ai pas suivi. J'allais trop loin. Moi, je pensais qu'on retournait chez Atox. Mais c'est pas mal. Allons voir. La rue. La rue. Il n'y a pas encore l'éclairage, monseigneur. Oui, il n'y a pas grand-chose encore. Ouais, hein, c'était bien vite sorti de terre, mais bon. Ouais. Assez bon, motivé pour construire, par contre, pour le terminer. Petite info, est-ce que ça a été rebouché, là, la tentative le déménagement est en cours, là. Il en reste encore des énergumènes ou pas? Il y avait un élevage ici pour essayer de bouffer les fondations, mais c'est bon, ils ont été exterminés. Ah, parfait. Oh, de la Blackstone. Oh, bah tiens. Oh là là. C'est terminé, ça, mon signe. Bon alors la salle de Ryu elle est où là? Oh là là. Mais regardez, mais on est dans des les caves en Allemagne ou quoi là? Oh, c'est quoi cet escalier là? C'est quoi cette soirée BDSM en Allemagne ou quoi là? Oh, mais attends. C'est le bureau des chefs ici. La vue au lac. Qui c'est là-bas? La vue au lac. Elle a vu dans le lac. Il y a quelqu'un là-bas. Manque d'eau dans ce lac hein. C'est ML, je crois. On va monter un peu le niveau là. Bon, allez, allons picoler au Strongol là. Il nous reste 15 minutes. Ouais, putain, allez. Allons-y. Allez. On sait bien, ce soir il y avait de l'assiduité à la rue. Pas mal. Ouf. On a été productif. Mon bateau arrive. Il y a plus de production, on va être kebabé la prochaine fois. Intrus. Non, on est au spawn. On est au spawn. Non, on est en territoire. Doucement. Flèche non enflammée, c'est ma femme, ça. Quelqu'un de la vie, s'il vous plaît, seigneur de la vie. Oui, c'est. Ah, bah non, elle est enflammée maintenant. Ah, c'est l'arme. Allez, c'est par là. Ouais. Oh, c'est beau. Oh, escorte seulement. Oh, bonjour! Apéro! Oh, ah, l'apéro! Ouais, l'apéro! L'apéro! Ouais. L'apéro! Qu'est-ce que vous buvez? L'apéro! Ok. Allez, tout le monde. Petit passif! Non, mais non! Qui c'est qui a dégueulé? Je savais pas que c'était. On va repartir. Mais c'est le Covid ça. Oh non. Mais non, mais moi j'ai mon masque. Moi je me mouille dans mon masque. Oh, pitié monsieur, pitié. Je me sens pas bien monsieur. Faut retourner au spawn. Arrête de dégueuler. Ah, qui veut les cookies tiens? Ah oui, des cookies pour m'en dégueuler. J'ai mis ma bouteille. Ah non, mais je vais mourir moi. Attends, on a peut-être des échantillons. Oui. Ah ouais, mais c'est vrai. Alors j'ai des échantillons gratuits, s'il vous plaît, si vous voulez. S'il vous plaît, gratuit de la stonks. La bonne marchandise. Ah, oui. Voilà. La seule unique. C'est pas pour la stonks. La stonks vous en avez déjà. C'est non, pour non, les. J'en ai pas. C'est pour les clients. Mais y a plus beaucoup de clients autres que la stonks là, bizarrement. C'est pas faux. En fait, y a que moi, demi-carré. Oh, y'a Emel. Ouais! Ouais! Okay, ouais! Ouais! ML, un échantillon! Allô, cadeau! Allô! Cadeau. Allô! Voilà. Bon, je vais échantillonner de l'autre côté. Ah, je suis bloqué! Hop là! Oh, moi je mange mon McDo! Allez, je suis bloqué! Ah bah, t'es foutu là! Hein. Merci pour l'échantillon gratuit! Regardez-moi ce On va devoir t'éliminer! Hein. Eh, les morceaux là! Aïe! Les morceaux là! Tu ramasses tes déchets, s'il te plaît. Hein. Vous avez tous pris votre petit pack d'ailleurs préparé par bas ou pas là? Ah, le pack de crocs, je l'ai pris. Ah, ouais. Moi, j'ai, ouais. Pas terminé, j'ai pas terminé. C'est du bien. Ouais. Le pastis, c'est tout. Là. Merde! Putain! Pardon. Non, je rate mes blagues, je suis nul. Je suis pas en forme aujourd'hui. De quoi le lit? Quelqu'un a un lit? Il y a un lit posé là. Non, mais un autre lit. Un lit neuf. Ah bah moi j'en ai un. On voit. On voit. Merci monsieur. Tonique là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour la personne qui dormira là. Bien vu ça. Non, on peut l'attirer avec des cookies je pense. Il y a des cookies sur le lit.
Bon, c'est bien calme là, ils veulent pas faire la fête. Ah bah non, apparemment. Où sont les autres factions là? Bah on les attend. Hein. Je me régale moi. Petit McDo là. Lui il est même pas en RP lui. Gros McDo là mon pote. Ah on est bien. C'est pour ça qu'il va dégueuler après. Attends, il est où le TP pour spawn parce que je me suis fait TP bizarrement. T'as un retour spawn. Oh. Ah, non, le retour spawn il est là. Il est là, Emel. Ah oui, ouais, je suis. D'ailleurs, on est où par rapport... Ah, on est pas très loin du spawn. Oh en fait. Ça c'est gentil. T'as juste là. Il y a rien spawn. Oh okay. Et... Qui veut des livres? Yeah. Oh, des livres. Ah mais non. La culture, j'adore. Vous savez, je suis un grand fan de... Oh le piège. Oh la vache. Oh, piercing 4, quick charge 2. Waouh. Waouh. C'est ultra utile ça. Du coup, il a pas été fouillé le Stronghold. Let's go. Ah, je pense que pas du tout, hein. Y a aucun éclairage. Ouais, et puis il est pas très sécurisé. Ah ah. Oh. Pff. Oh. Tenez. Oh. Oh. Ah. Oh, des pommes. Non, j'ai pas besoin. Pour... Qui a foutu de l'obsidienne? Ouais, j'ai aussi. Ouais, moi aussi. Un bon croque. C'est chiant, perdu. Du ping. Ouais, un bon McDo là. Mais il va se taire, lui, là. Le cheddar beef là. Oh. Il casse les couilles. Red Tox, c'est le RP. Oh, le gros McDo là. Ah, où est ma femme? Quelqu'un aurait vu sa femme? Ah. Oui, elle est sur... elle est sur la lit. Ah tiens. Il y a un AFK bébé là. Dans cette petite Suze là. Je commence à avoir mal au ventre moi. En tout cas, les gens aiment pas être en avance. Hein. Ah, par contre, c'était bien marqué 21h pétante. On m'a dit qu'il est 21h pétante, je saute. Hein. Vous avez les yeux ou pas? Ah, mais merde. Gold les a, je crois. Ah, c'est Gold qui les. Non, je suis pas sûr. On va faire autre chose du coup. Quelqu'un va chercher les œufs, les trucs ou pas? Parce que bon. Donner les œufs à un traître comme ça. Non, mais parce qu'à 21h pile, on l'active. On y va. Ouais. Sur le papier, ouais. C'est vrai que c'est dans 9 minutes, hein, c'est vrai qu'on a le temps, mais... Il en manque combien? 9? Mais ils manquent tous, hein. Pardon, excusez-moi. 3, 6, 9, 12, hein. Ouais, je reviens. T'as combien de têtes, Emel? Ah, de collection? Ouais, t'as combien? Ah, attends, je vais te dire. J'en ai pas beaucoup farmé parce que je tourne en rond quand je me connecte. Ah! Oh, t'en as plus que moi, salaud. Sérieux? Ouais, parce que j'ai pas fait grand chose encore. J'ai pas fait grand chose encore. Comment on voit ça? Bon, tu peux arrêter ton faux RP gros tas là? Non, je suis en train de manger. Oh, oui, oui, non, L. Ah, j'en ai 25. Oh, j'en ai beaucoup. Waouh. Après, j'en ai volé aussi, mais. Ah, tu c'est fais étonnant. Comme Pierre. Ah, la honte. Ah, les ouais, losers fantôme, voilà. Ah, les losers. Ah, ouais. Ah, je m'assois tellement c'est trop, quoi. Jimmy, c'est bon. Smithy, c'est bon. Ah, bah, ouais, y en a plein qui sont déjà au Stronghold, hein. Ouais, je sais. Bah, moi, je fais l'entrée pour donner les... Ah oui, ça, tu donnes les échantillons. Bah, oui. Ah... C'est quoi les causes? C'est zéro. Sinon, faut lui dire casser son lit et de. Casse ton lit et meurt, comme ça il arrive plus tôt. Charge. C'est là! C'est là. T'es reparti là? C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Parfait. Allez, prépare-moi ce portail là. Non, peut-être pas maintenant. Attends un peu. Ouais, on va attendre, hein. 21h. Les knockbacks, on les sent venir. On les sent venir, les knockbacks. Ah putain, par contre, oui, faut faire gaffe quand on arrive. Qui manque du monde. T'inquiète, on a le matériel. Attends, moi je vais faire l'apéro au spawn parce qu'il va pas venir ici.
Ah, roi. Apéro. Ouais. Ça va, roi? Un petit apéro, bon, roi. Un petit apéro. Un petit pastis. Si, un petit verre. Ah, pardon, ouais, parce qu'il y a Pierre qui me parle en même temps. Un petit verre. Je me lutte. Oh, un petit verre. Un petit pastis. Un petit pastis. Un petit verre. Ouais, ouais, volontiers. Allez, sérieux, la vie. Oh, salaud. Ah, salaud. Ça commence mal. Pas de panique, pas de panique. Pour faire passer la gueule de bois, monsieur Ba, il a des petits échantillons, regardez. Ouais, bah, on va des petites pastilles miracle. Oh putain, c'était de la bonne. T'as fait tes doses au moins parce que là le vomi. Et boubou le monde. Un pastis là. Ok, il y a des gens. Ne vise pas le traître là-bas là. Voilà. J'ai même pas besoin de le viser. C'est parfait. Oh, il y a des glow squid. Ah merde. Bravo. J'ai fait le tour. Et ta gueule, Kilo, Stagnon. Ta gueule. Leto, il a des balls, hein. Il est en fer non enchante. Il a pas peur. Il a aucune peur, il est là pour casser des culs. Ah putain, il y en a qui sont à poil, quoi, merde. Ça va. Il y en a qui vont rester derrière. Ils vont rester derrière juste pour ramasser les Dragon Breath, c'est sûr. Ouais, mais sauf que ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Oui, elle me marche sur les couilles là. Rien du tout. Pourquoi ça passe pas la nuit? On appelle ça la pirogue, comme ah oui, position. Attends. Attends, et du coup celle-là c'est laquelle? C'est pas d'elle, hein. Parce qu'elle a un peu bougé là. Ça hey, c'est oh, le canoë tu mates kayak, pas ça. Toi pourquoi y a la voisine qui mate là? Allô. Ok, alors celle-là. Attends. Oh les fantasmes là, bon. Que fait notre stagiaire kebabiste? Il prépare du Fanta là. Ramène le deuxième round. Du coup, pour expliquer pour ceux qui ont pas suivi, souvent on fait le dragon. Ouais. On va notamment. Mais on n'a pas quelqu'un à convaincre. Aller chercher les électras et tout. Donc on aura un petit peu de taf. Un peu de taf. Je sais pas. Oh putain. C'est qui ça? C'est Atox. Atox. 45 secondes. Non, il est en train de manger son McDo. Fais-le. Tiens, prends ton bite. Bug d'affichage. Il est dans ma main là? Ouais, c'est un bug. Ouais, il est dans ta main là. D'affichage, ouais. Full Netherite, monsieur Wotan. Je le vois pas. Aïeux. Oui, il faut. Qu'est-ce que? Tu as pas peur de le perdre dans l'end? En vrai, c'est. Ouais, pareil. Et puis maintenant, je suis trop fort ou pas? J'ai failli venir full faire en fait, en vrai. Il a pas peur, Vartak, hein. Alors, merci de. Non, mais. Non, mais tu cherches après, tu cherches. Moi, attendez, si je tombe dans le vide, ça part sur une fin de stream. Hein. Là, je relance pas. T'inquiète, Emel, on sera en direct. Et le fameux sauvage kit. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, je l'ai dit, hein, moi, je suis en ultra hardcore. Hein. Si je meurs, j'ai plus de vie, c'est fini. Hein. Faudra envoyer des bits pour me redonner une vie, là. Ah, ouais, t'es pas encore mort. Mais pas encore mort. Qui c'est qui est mort encore? Auré. Roi Louis. Guil et Roi. Roi Louis. Guil. Ouais, mais bon, Guil, ça fait 30 minutes qu'il est connecté. Guil est triche, il joue pas. Il joue pas assez souvent, Guil. Il est où? Il est là ou pas? Ouais. En fait, tu sais qu'il a déjà dépassé son temps de jeu de Holy Cube 5, hein, déjà. Hein. Oh là. Il est fort. Ah, oh, ça ah, parle il est mal, fort. C'est pas mal, ça, déjà. Bah, il est resté à FK 3 heures hier à la fin de Netherward, donc forcément. Je te jure. Ah ouais, ça aide. Bah, bien sûr. On a des pires, quoi. Oh, c'est bon, ça. ML, on va par contre, il a bien dit à 21h pétante, 15. Hein. Oui, 21h ouais, d'annonce. Ah bah, on y va. Parle, ML. Encore 2 minutes. Oh, j'ai presque envie de mettre tous les yeux là. Allez, bientôt 21h. Hein. De toute façon, dès qu'il est 21h pile. Attends, c'est quoi? J'ai lancé heure.com et on va regarder. Mais on va se faire engueuler. Bah, il a dit à 21h pile, on y va. Écoute, il a fait un everyone dans l'info. Hein. Ah oui? Il reste 1 minute et 8 secondes. Chaque minute, avant que ça commence. En plus. Attention, attention. Ah, attends, mets pas. Là, ah, il est 59 piles. Ok. Il reste les 3 derniers, là. Alors, peut-être.
H-40 secondes. On est chaud. On est chaud, bordel. Allez, allez. Les gens veulent pas le venir, veulent pas venir. Hein. Salut les gars. Putain, il est enfin là, lui. On peut pas bloquer l'arrivée, si. C'est quoi? Hein? 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 Il est 21h! Il avait dit ce soir 21h. Venez, bah oui, 21, il a dit 21h pétante. Pile. Je l'ouvre, mais on y va pas. 21h pétante, je vais me faire reculer. Non, mais. Non, le fais pas, le fais pas. Non, mais ouvre en vrai. C'est Diablo X9. Salut à tous, les amis. Ah, faut aller dans l'annonce. D'accord. Paction, de collecter le plus de dragon breath possible. Donc c'est, je vous rappelle, vous prenez une bouteille vide et vous cliquez sur le truc au sol que balance le dragon et vous le récupérez. Le dragon quand même, non ? Le but étant de récolter assez de dragon breath pour toute la saison, comme ça on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Et aussi d'avoir un petit peu de fun là-dedans. PVP interdit. Le but, c'est pas de se foutre sur la gueule, ou sinon ça finit juste en PVP, c'est pas marrant. Le but, c'est vraiment de voir qui récolte le plus de dragon breath. Pas de sabotage aussi. Je sens que ça va arriver. Retard, c'est toi le retard. T'as vu comment on nous représente. Et du coup, vous avez le TP qui est juste là, en dessous du monolithe. Ça TP directement à côté du portail de Land. On va juste mettre les yeux et puis on va y aller. Hein. On est prêt. Le truc, c'est que le dragon, on peut le tuer quand on veut, mais évidemment, si on veut collecter plus de dragon breath, il vaut mieux le laisser en vie. Donc laissez-le en vie au moins quelques minutes, le temps d'en collecter plus. On dit combien de temps ? Et puis après, on mettra juste des coffres. Je mettrai des coffres juste à côté de là où on a tué le dragon et on mettra tout le dragon breath par faction. Merci de ne pas prendre dans les coffres. On veut vraiment voir qui a collecté le plus. Donc on regardera. Vous avez combien de stacks de glass bottle? J'en ai 8. C'est bien, il y a pas de réponse, ok. Et après, ce sera la chasse aux équipements dans le reste de l'end. La world border, il n'y a pas de world border, mais on a généré jusqu'à moins 7500. Donc évitez d'aller au-delà de ces coordonnées ce soir. Après, s'il est 3h du matin, là, vous pouvez vous permettre d'aller un petit peu plus loin. De toute façon, si quelqu'un mais pour le moment, n'allez pas plus loin pour le reste de cette soirée. Voilà, c'est à peu près tout. Ah mais c'est fini pour lui. Je vous invite à vous mettre sur bah Discord, foutu, par contre, désactivez tous le voice mode ou sinon ça va être un vrai bordel. On bah est non, trop nombreux. Trop bien. Je vous invite à vous mettre sur vous Discord, sur Discord les gars. Allez, go to Discord. On va dire préférence, hein, donc par faction ou par groupe d'amis, et puis on peut commencer du coup. Let's go. On peut se grouper sur Discord après si on veut. Vas-y, go Discord. Live 8. Allô. Allô. Et hop là. Et Pierre qui est tout seul. Pierre qui a pas compris. Ah non. Aïe Pierre, reviens. Pierre le 8. Oui, ah ça y est. Ah. Voilà. C'est bon. T'es correct. Bon, on va ouvrir. Hein. Eh, il est trop tard, il est 21h passé là-haut. Oh. Il a dit qu'on attendait pas les mecs en retard. Hein. Mais façon, il a dit à 21h pétant, de toute façon, il est 21h02. Qui va en premier? Moi j'y vais. Ah ouais. Oh le stagiaire. Ouais! Oh, ça va le score. Oh, let's go! Avancez, bordel! Ah, vite! Oh là là. N'oubliez pas de construire un mur derrière vous pour pas qu'il puisse passer! Non, mais j'avoue, rebouche, let's go! Let's go! On n'est pas passé encore! Let's go! C'est bordel! Let's go! C'est bon, ils sont coincés! Bon, le but c'est. Pourquoi il y a deux dragons? Il y a deux dragons? Il y a deux dragons! Oh merde. Ça fait beaucoup plus de souffle en vrai. Ah bah oui, mais du coup on peut en tuer un quand on veut. Souffle. Pourquoi ouais, y a deux dragons? Je suis premier. C'est pas un bug avec Fabrique? Oh trop bien, j'en ai déjà pris du souffle. J'en ai déjà 6 les gars. Attends, c'est où les boboles? C'est où les bouboules? Là, il y a derrière toi. En fait, c'est bon, c'est bon, GG. Fonce. GG, c'est bon, c'est bon. Tu l'as eu, c'est bon. Ah ouais. Dès qu'on en a plus, on va toucher le dragon. Vite! Go, go, vite! Merde, dragon. Mais ça en fait 0. Peut pas ça. J'en ai déjà 18. Putain, ça fait mal la merde là. J'en ai 21. J'en ai 21. J'arrive pas en avoir. J'en ai 3. Parce qu'une boule, c'est seulement 6. Hein. C'est seulement 6 une boule. Hein. Ouais. Les boules. Tire-moi le dragon. Y'en a là. Mais moi là. Ce que je mérite. Là. Voilà. Ah, ouais, j'en ai une. Bien joué. Qui c'est qui bute le dragon comme un con? C'est Ika. Là. Et alors. Fallait les avoir. C'est bon, j'en ai eu. En fait, faut regarder le dragon et suivez les boules.
Suis les boules. Guillaume, il triche. Vous en focussez un et direct. Beaucoup molesse le dragon. Et ceux qui montent, on a le droit de leur tirer dessus et dire oupsie. Oh là. Là. Allez, vite. Oh non, il a pris. Là, sur moi. C'est bon. Putain, ça marche pas. J'ai 38. Oh là là. La boule. Les goodies. Ouais, faut qu'on se split en vrai, c'est vrai. Les goodies. Splitez-vous. Il y en a un qui arrive. Bol. Bien joué. Allez, lâche tes boules. Donne la boule. Est-ce qu'on tuerait pas un des dragons comme il y en a deux comme ça? Mais non, justement, ça fait plus de dragon breath. Ah, comme ça il y a le portail, on pousse les gens dedans. Ouais. Ah ouais, non, on tue un dragon et puis nous on part dans l'end après. C'est bien vu ça. Prenez les boules, putain, mais ça peut tirer les boules. Tirez les bouboules. Oh, moi depuis le début. On en focus. Tirez les bouboules. Focus 1. Voilà. J'ai pas d'arc moi. Oh, le nombre de flèches qui partent. Oh, boule, ça marche. Boule. C'est bon, j'ai tout pris. Y'a pas le temps, y'a pas le temps. J'ai tout pris. J'en ai deux. Il se baisse, putain. Là, y'en a qui vont décoller. Là, ça va décoller. Moi je tape pas, j'en ai rien à faire. Moi je tape pas. Faut ramasser, tu vas voler à 3 km. Allez, tire, bordel. Il est où? Lâche pas dessus. Oh, j'en prends tout plein. Allez, prenez tout. Elle est déjà parti. J'en ai 19. C'est dur. Allez, hello. On le finit, lui. Il y a une boule qui a été tirée, je sais pas. Oh, les taux, bravo. Allez, on pousse les gens dans le portail. Ah, c'est bien. Tirez les gens dedans. J'ai poussé dedans. Il y a l'autre. Allez, vite, très bien, c'est ramassé. Oh, non, non. Oula, je vais mourir. J'ai la tête d'Aurélien. 37. Bon, je me casse. C'est qui est mort? Oh putain! J'ai récupéré du stuff. C'est qui est mort? Oh non! C'est Auré. Auré, on a pas la vie du dragon. Il est où? Ah ouais, y'a plus la barre de vie. Bah non, parce qu'on a tué le dragon principal. Oh, bah il est mort. Ah, mais what? Mais vous êtes sérieux? Déjà? Non, les gars, je suis mort, y'en a 50! Ah bah, en plus, tu vas respawn en mort. Il pète là. Mais t'es mort où, Arius? Je suis mort. Y'a pas un portail qui pop. Mais c'est. Putain, mais on a tout. Mais. J'ai rien à personne, hein. Moi j'ai un plastron. J'ai la pioche de Roi Louis. Moi j'ai rien, ouais. Moi je sais pas ce que j'ai. Par contre, est-ce qu'on a récupéré le Dragon Breath d'Auré? Non, moi j'ai pas récupéré son Dragon Breath. J'ai pas récupéré. J'ai fait un stack. J'en ai 62 moi. J'ai fait un stack de Dragon Breath moi. Où mon stack? J'en ai que 37 moi. Y'a un Soto, c'est pas à moi. On a pas pris mes Dragon Breath. Si, il en a récupéré. C'est où les coffres? C'est pas moi ça par contre. C'est où faut poser le dragon bref? Ouais, c'est où les dragon bref? Bah attends, il va les mettre, je suppose. C'est à moi ça. Ah, mais Tadjin il est déjà parti. Putain, les Enderman, cassez-vous. Ah, y'en a plein qui sont partis. Ah, les gars, attends, qui c'est qui a de la place? Pierre? Pierre? Bah, c'est pas moi ça. Tiens, bouge pas, Pierre. Les gars, j'avais mis des casques. T'as de la place sur toi ou pas? Ouais, j'ai de la place. Au pire, filez-moi la dragon bref par terre. Tiens, ouais, ok, ça marche. Allez, j'y vais moi. Moi, je vais m'occuper de la chute. Allez, la mise. Ok, t'es où? Vous me récupérez deux paires d'Elytra si vous avez moyen? Ouais, on va essayer, ouais. T'es où? Par contre, je te vois pas. Je suis près du coffre. En fait, il en faut juste une pour moi, une pour ma femme. Au pire, vous me dites quand vous les avez. Tiens, Pierre. Attends, on peut avancer. Comme ça, allez-y. Les gars, je tiens à préciser par contre que j'ai la seule tête dorée sur le sable. Ah, ça marche. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort. Tu m'as tout filé? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et moi? On a beaucoup? Ah ouais, c'est bon. Allez, YOLO! J'ai sorti mon lit. Arux, t'en as aussi? De quoi? Je vais par là. Stuff, là. Mais moi j'avais 40 Dragon Breath, mais j'ai pu les récupérer. Okay. Tu me les as refilés ou pas? Attends, parce qu'ils sont en train de faire les coffres. Oh, l'end avec ce texture pack, ma. Râleur, oh, là c'est beau. Qui là? Oh, il est beau. J'ai pas... On a pas de. Oh, il est beau, quelqu'un, ouais. Un panneau? Ils ont pas mis. Exactement. Attendez là, faut panneau. Où le portail là? On a pris mon bois aussi. Allez, là-bas. Bon bah let's go hein. Ça y est, on y est. On va enfin faire l'end. Objectif, ne pas faire n'importe quoi, bien sûr. Vous savez qu'en général ça va l'end, je fais pas trop n'importe quoi. Mais continuez à ne pas faire trop n'importe quoi.
Et surtout essayer de prendre de l'avance. What? Bah, le relot t'es où? Attendez, arrive. Là on met... Là, voilà. Là, ok, okay. On part par plus avant ou pas? Moi je suis parti au nord. Bah écoute, je te rejoins alors. Et c'est quoi la dernière? C'est les t'as du Fire Aspect. Toi aussi le relot, toi aussi. Et où T'as du Fire Aspect. Oui. Mais pourquoi vous avez pas mis votre tête de citrouille? On en a plus que les rares déjà. Flemme. Attendez, je t'en mets les miens. Vas-y, mets les tiens. Oh putain, on en a 4 stacks et 21. T'es où? Et moi je me suis sacrifié pour prendre tout et tout. Les gothiques en ont 3. Moi je partais au sud. 3-3-3. Oh, les blocs invisibles au-dessus de la main. Je crois qu'on a win en vrai. Hein. Bah là, 4 stacks. On a fait... Ouais, bah ouais. Je me suis sacrifié pour faire un stack, mais je crois que j'en avais un stack et j'en ai récupéré 40, c'est bizarre. Quelqu'un a dû en prendre. Oui, il y a The Species, il t'en a volé, Bah, c'est pas grave. En vrai, notre joke, les premières bouches, je les ai toutes chopées. Hein. Ouais, t'étais un monstre, mec. En fait, il aurait fallu qu'on fasse. T'as tout pris dans la gueule, quoi. Partir ailleurs, en vrai. Moi, je suis parti dans le sud. Maintenant, on est parti direction nord, mais. Du coup, là, faut prendre la TP, c'est ça? Ouais. Après, faudra qu'on se divise, Red Tox. Ouais, y'a Jack Golden qui est parti au nord aussi. Cassez-vous le. 4 sacs à Dorman. Au sud, j'étais tout seul. Ah, attendez, tout seul au sud. Moi, je sais à quel. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Moi, ça va être mon but parce que. Mais y'a déjà quelqu'un qui a bridge là. Ouais, Bartak m'a donné les bonnes coordonnées. Moi, je pars à l'est. Qui a bridge? C'est toi, Icar, qui a fait bridge? Gaffe avec Golden, ouais. Rester écarté. Putain, va falloir que je prépare tout après, quel enfer. Ah, tu vas t'éclater ce soir, toi. Bah, c'est surtout, je vais préparer maintenant pour pas avoir à le faire au retour. Bah ouais, faudrait que t'arrives à avoir la forteresse la plus proche. Non, mais je sais. Le problème, c'est qu'il faut que je prépare le spawn. Ah. C'est grave si j'ai pas de bois? On des blocs, t'en fous. Moi j'ai mis des coffres, hein. On peut déplacer 1, 2, 3... Non mais y'a pas de bois dans tes coffres. On peut faire des shulkers, hein. Bah comme ça vous pouvez faire des shulkers. Ah oui, tu veux dire dans... Oui, t'avais mis du bruit. Et j'ai mis une table de craft aussi, hein. C'est vrai. Comme ça vous avez tout, normalement. Tu m'as sauvé la vie. Ouais, t'as régalé. Taika, il est parti, je sais pas où. Au noir. Y'a Golden juste devant moi. T'es derrière toi? Où sont les forteresses? Golden derrière moi. Ok, bah je suis au niveau de Golden là. Putain, je suis gagnant, c'est second dans le moins. Mais après, il m'attaque, l'Enderman, je l'ai pas regardé. Bah si. Mais t'es les étrouilles. Mais non, je regarde le sol depuis tout à l'heure. Bon, attendez, moi je vais préparer mon truc. Mais ah, je te vois, Ika. Je te vois, Ika, au loin. Ok. Non, viens, on part par là. Bah, continue, j'arrive comme ça après. Ah, bah, y'a déjà un qui est mort. T'as de quoi bridge? Oh, t'as Jean, aïe aïe. Oui, j'ai de quoi bridge. On fait quoi? On se divise ou pas? Parce que si on. Je sais pas si on. Ouais, je pense que c'est mieux. Sans le buteur, c'est le plus possible. Oui. Comme c'est loin. Objectif, être les premiers à avoir les Elytra. Ouais, ok. Ouais, c'est de pipe, on se parle. Donc, par contre, j'ai un stress. Oh putain, les blocs ils spawnent pas. Putain, what the fuck. Oui, les blocs invisibles, c'est. Oh la vache. Hein. C'est horrible. Putain. Oh non, Gap, il a eu. Oh le salaud. Ah putain, déjà. Parti de mon côté, faut croire. Ouais. Il a... Est-ce qu'il y a. Ah, et Pierre, il nous écoute ou pas? Je crois pas. Ah putain, je vois des gens au fond, c'est qui? C'est peut-être vous les gars. Nous on est full nord, hein, mais très loin déjà. On ouais, est bah en 1300. Vous faites un bridge là? Non, on est beaucoup plus loin. Okay. Mais je pense qu'on est les premiers, hein, dans notre direction. Hein. Bah, ah bah je vois si, pas les relos. Ici, je suis là. Là où il y a les relos. Ouais, mais les relos est très loin. Hein. Non, ils sont partis à droite après, nous on est partis tout droit. Enfin, tu vas suivre sinon au pire, mais. Après, idéalement, c'est de se disperser. Ouais. On TP de l'autre côté là, dans l'île là, non? Ouais, vas-y. Ma bridge. Je pense que c'est pas mal, ouais. Pas besoin de bridge là, non? Bah non, y a pas besoin. Hop là. Enfin, je te dirais. Avec les lags, c'est bon. Avec les lags, c'est très flippant. Hein. Fais gaffe quand même. Hein. Avec les lags, c'est horriblement flippant parce que tu lances ton under perf, ouais, et ouais. Ça fait rien pendant un moment. Parfait, go. C'est bon, t'as des pommes d'or? T'en as assez? Je reste. Tac, merci les miens. Bon, on va rester entre nous vite fait. Bon, objectif, évidemment, trouver une forteresse assez rapidement. Est-ce que je la tente ici? Oui, ça se tente, ça. Ah, petite prédiction, pas mal. Vous avez une prédiction, si ça vous intéresse? N'hésitez pas. Faites-vous plaisir. La forte... C'est quoi, t'as mis quoi? Perdre des traves en 22h? Oh putain, vache. Ah ouais, t'as mis un délai court, hein. Oh! Forteresse! Oh, putain, j'ai peur. Bon, qu'elle a pas été bon j'ai une forteresse, mais c'est une antenne 4G. Ah, moi ça va, il y a le bateau. J'en vois le succès au moins.
T'as le bateau toi ? Le bateau avant quelqu'un arrive. Hein. Avant quelqu'un arrive dessus. Petit message, moins 1800. Bah prends-le de toute façon. Oui, non, mais je vais pas prendre, tout prendre. Je vais juste prendre le truc. Forteresse. Vous me dites si jamais vous trouvez une forteresse. Ouais, mais il faut qu'elle soit pas très loin d'une gateway. D'une gateway, ouais. Moi j'ai des coordonnées éventuellement parce que Vartak m'en a filé. Ouais. Ah ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, parfait. Donc, c'est à peu près vers où hein. Nous on part en moins moins. Non, on est en plus moins. Moi, l'idéal, elle est en moins plus. Ouais, c'est pas de notre côté du tout. Je sais pas, on m'a volé ma pioche. Ah bah, putain, en plus, c'est la merde. Mienne, du coup, Pierre. Je suppose. Par contre, sans ta pioche, c'est galère. Hein. C'est peut-être la mienne, puisque moi, je suis en moins plus. Ouais, mais c'est pioche, j'ai dû la mettre dans un coffre. Plus 2000. Ah non. Ah non. J'espère qu'il y aura une pioche en haut dans le bateau. Ah, mais ah pioche, vous avez déjà trouvé un bateau ? Mais oui, moi, je suis dans un bateau là. Ah, GG. Bah, alors, en vrai, si t'as des élytres et des feux d'artifice, go chercher d'autres. Hein. Comme ça, t'en ramènes pour tout le monde. Hein. On est tranquille. Oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Belle mentalité, ça, stagiaire. Mmh. Merci, c'est bien, merci. Ça va être promu. C'est bien, ouais. Giga chef kebabier. Ah, kebabiste. peut-être on passe à droite et à gauche, non ? Je vais tout droit, moi. Tu vas tout droit ? Ouais. Ok, je vais aller juste voir de l'autre côté, d'accord, au cas où. Moi, je continue d'avancer, puisqu'elle est à chier, ma forteresse. Oh, putain, je sais pas si je peux lancer une perle ici. Oh, on tente, on s'en fout. Oh, du coup, j'ai rip l'envie, là. Hein. Je peux pas aller, malheureusement. Ouais, bah ouais. C'est bon, ça. Allez le kebabier, allez. Allez le kebabier, allez. Allez. Oh là là, guêpe. Oh, guêpe. Quel taf. T'as un guêpe, il a trouvé un truc, il a les élytras. Quel taf. Moi aussi, les élytras. Je suis en train de fly. Ah, mais t'es deuxième, t'es un loser. Ouais, ça. Pardon, c'est un peu fort. C'est un peu violent, j'avoue. Oh, ça commence déjà à galérer à générer, là. Ouais, parce que là, on est en train de... On ouais. Fait là, oh, le... J'ai pas pris le debug stick, fuck. Je vais le chercher. Allez, parti trouver des forteresses. Ah mais il y a des gens qui décorent quoi cette pas. Gap, ouais, il va en prendre pour tout le monde. Ah ouais, le Gap il va nous détruire. Hein. Je sais pas de quel côté il est parti mais. J'ai pas, mais ça charge plus. Oui, ça charge plus. Ouais, pareil. Enfin ouais. Là, il y a une île juste à côté hein, mais. Ouais, mais je sais pas. En vrai, le problème c'est que ça se trouve, tu vois, il y a des cités ou quoi qu'on voit pas en fait. Tiens. Il est pas censé avoir pré-généré la map. Si, jusqu'en 7500. Si. Ouais, mais du coup, on est pas en 7000. Ouais, par contre, j'ai lancé moi. Bah, on a d'autres perles là. Ouais, attendez. Hey. Putain, j'ai peur. Ah, bon courage! Ah, mais les gens font que des décorocos en même temps. Ouais, mais faut. Ils évitent les décorocos, ça serait bien. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que oui, on voit. Attends, peut-être avec la map, on les voit mieux, peut-être. Hein. Pas du tout. Bon, normalement, faut pas que. Ah, ouais, vous avez la map pour tricher, c'est vrai. Ah! Mais ma femme non, la map. Elle nous aide pas, la map. Elle y est, elle est repartie, je crois qu'elle s'occupe de. Bon bah moi je m'occupe de tout ce qu'il faut pour ramener les shulkers, comme ça on aura des shulkers rapido. Hein. Ouais, vas-y fais. Bah ça charge plus hein. Ouais. Il va falloir un milliard de trucs. Ah la forteresse. Ah ouais. Forteresse. Ah oui, bien, nice. Avec un bateau. Bateau, pas bateau. Pour l'instant, je sais pas. Attends, on regarde aux alentours au cas où il y a un portail. Ouais, ouais. Il y a des trucs en l'air, je sais pas si c'est un bateau pour l'instant. Ça m'a l'air compliqué pour le bateau. Si tu vois des coffres. Il y a un bateau. Ah non. Oh, le mec, faut le jouer. Oh, il vient de me faire plaisir et d'un seul coup, il m'a calmé. Genre. Par contre, faut peut-être qu'on y aille. Enfin, ouais. Bah, en temps, ouais, non, mais je serai juste les chunks autour. Vous inquiétez pas, on aura tous des élytras. Ouais, mais tu vas être le premier. Je peux plus être le premier. Je peux plus être le premier, mais. Bon, bah, y'a pas de gâteau ici. Y'a pas de gâteau. Dommage. Non, let's go. J'ai pas faim, ça me va. On bourrine. Bah, tu es déjà, ok. Non mais en vrai de toute façon on en récupère je sais pas une quinzaine ou un truc comme ça en tout et, des élytras ouais enfin ou là on a 10 soir une par faction j'en sais rien. Oui c'est chiant. Ah mais je TP tous au secours. Ouais c'est chiant. Attention je vais me TP. Oh non. Ça charge vite ceci dit. Non c'est juste pour aller chercher le debug stick. Reviens. Ah ouais c'est surtout les chums qui chargent pas. Ouais une shell. Ouais oh, faut pas qu'on l'ait, ouais. Moi j'en ai déjà une aussi. Ouais, dans une aussi. Ah oui, toi tu bridge comme ça, toi. C'est marrant, je vois pas ton bridge. Oh, mais je vois rien. Oh, Guild qui l'a eu aussi. Quoi? Putain, les joueurs du HC, ça dégoûte. Je vais peut-être aller de l'autre côté, en fait, moi, déjà. Oh, j'ai eu deux shells sur un chacun. Normalement, c'était pas activé. En vrai. Attends, t'en as eu deux? Boxing. Ouais, j'en ai eu deux d'un coup. Ah bah, faut pas qu'il active. Bah, écoute.
Ah putain, mais ça charge pas, mais s'il te plaît, le c'est jeu. C'est un datapack ou ça. J'en ai eu aucun, moi. Petit TP mending. Après, c'est bizarre, ça marchait, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas. J'en ai eu 0 sur 3, donc. J'en ai 5, moi, pour l'instant. Mais je crois que tu. Tu peux en avoir 2 avec. Avec looting, peut-être, hein, je sais pas. Hein. Normalement, non. Normalement. Ah, mais il y en a une là. Putain, laisse-moi tranquille, toi. Encore une. Mais où sont les forteresses? Bon, j'ai déjà 3 shulkers au total. Bravo. Bon, du coup, bah, faut aller tout droit après, c'est ça? Ouais, normalement, ouais. C'est bon, t'as tout là? On a tout? Attends, j'en fume encore quelques-unes. Vas-y, bah, je te laisse. Moi, je vais commencer à descendre. J'en ai récupéré un sans faire exprès. Bah, les dragons étaient super rapides à faire. Oui, ça a été trop rapide, je trouve. Putain, mais Vartak, il est déjà en train de miner de l'opsy. Vartak, il va exploser le serveur, il va faire probablement une usine. Non, j'ai lancé une perle, il est toujours pas atterri. Enderman qui te suit. Non, mais il veut mon cul. Pourquoi il a pas atterri, l'Enderperl? Putain de merde, oh la vache. Bon. Ok, donc direction nord. On continue direction nord. Vas-y. C'est parti. Oh mais putain, mais quel jeu de con. Genre elle atterrit après la deuxième, genre. Hop là. Allez une forteresse, s'il te plaît. Allez une forteresse. Fais-le pour moi. Ah, j'ai peur qu'avec les lags, les lags, les chunks qui chargent pas, ça va vous fassiez avoir, hein, pour la prédiction. Si ça se trouve, je vais racheter une forteresse parce que ça charge pas. Hein. Peut-être avancer comme ça, en vrai. Pour voir plus. Quel enfer, ça charge pas, bordel, ça charge pas. Voilà, je sais pas si c'est ça qui est cassé ou s'il y a un truc en face. Et voilà. Et ça reste. Oh la vache. Mais. Bon, bah on est d'accord qu'on est censé. Quand on dit qu'on précharge une carte, c'est on la précharge, genre ça lag pas quoi. Tu vois? Je sais pas, je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Merci Martin Ponk, le mannequin sur Instagram, pour le 31ème mois. Flowy bosse sur les badges, Martin. T'inquiète. T'inquiète. On attend la suite. Bon. Ah bah imagine, ouais, imagine là il y a un prélude quoi. Du coup il y a qui l'a eu pour l'instant? Il y a juste Gap. Ah non, il y a Smithies aussi. Goldhorn, putain mais les traîtres ils ont plein de trucs, vas-y ça dégoûte. Même les traîtres ils arrivent à trouver des trucs. Alors que les gens sensés, les gens honnêtes, ils arrivent même pas à en avoir, ça dégoûte. Laisse mon compte Insta en dehors de ça. Ah non mais écoute frérot, t'es mannequin maintenant, t'es mannequin, enfin... T'as honte de dire que t'es mannequin? The fuck. Excuse de Malkin. Hein. J'aimerais bien aller là-bas, mais vu que ça charge pas, je peux pas y aller pour l'instant. Et vu que j'ai eu la très bonne idée d'affronter un Enderman, bah voilà. J'ai vu mes mois d'abonnement, je fais un tweet. Ouais, bien sûr. Ah, t'as fait un tweet qui buzz, hein. Bravo. Bravo le tweet qui buzz. J'ai très peur que l'Enderman que j'ai tapé tout à l'heure vienne me voir quand je suis sur le pont. Et c'est très probable qu'il fasse ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris des chorus fruit. Putain mais charge s'il te plaît. Non, oula, c'est pas ça que je voulais manger.